Salut Samoui Sassa. Alors, est-ce qu'il y a de l'écho, de la réverbération dans la voix ou pas? Normalement ça devrait aller, j'ai mis l'enceinte un peu loin, mais on ne sait jamais. Ok. Tant mieux, tant mieux. Marquemage, il est là. C'est qu'il est gros, ce bouquin est très encombrant. Il y a quelques secondes et c'est bon. Bon, j'ai tout, j'ai mes notes. On va pouvoir commencer. Et voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue à bord. Donc ce soir je vais être sans Gabriel, il a des petites difficultés d'internet, donc bon, on va faire ça sans lui, ça va être un petit peu moins amusant. Oui, c'est vrai que ça aurait été dans le thème, hein. Petite réverbération cléricale, là, ça aurait donné un petit cachet à ce live. Mais bon, il n'y aura pas, vous aurez qu'à l'imaginer. Donc on va continuer ce soir la lecture du texte assez passionnant de Ivan Illich consacré à Hugues de Saint-Victor. C'est un drôle de texte puisqu'il conjoint un intellectuel des années 60 à 80, plutôt très orienté, enfin une des images, une des incarnations les plus vivaces d'un esprit très à gauche, d'un grand à l'imagination féconde pour améliorer la vie collective sur un socle marxiste, et il conjoint ça à la pensée d'un théologien du XIIe siècle. On pourrait dire, mais c'est quoi le foutu rapport? Et le foutu rapport, là, la chose qui lie très étroitement la pensée d'Ivan Illich à celle de Hugues de Saint-Victor, eh bien, c'est son rapport à, non seulement à la connaissance, mais surtout à la pédagogie, à l'enseignement. Illich a énormément écrit sur l'école, hein. Il a écrit pour une société sans école, notamment, il a pratiqué, c'est-à-dire qu'il a créé en Amérique latine, à l'ère qu'il était encore prêtre, un espace d'enseignement qui était aussi un lieu d'expérimentation pédagogique extraordinaire. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses qui l'a poussé à renoncer à sa carrière cléricale, c'était le fait que l'Église voyait d'un assez sale œil la façon dont il pratiquait, dont il pensait la liberté des étudiants, la liberté de penser, d'agir et de s'associer. Bref, c'est un homme à qui on doit beaucoup d'inventions dans le domaine pédagogique, une belle vision. Évidemment, Hugues de Saint-Victor ne pouvait que le passionner, puisque c'était également le cas au XIIe siècle de Hugues de Saint-Victor, qui était un homme à l'imagination féconde pour réformer les rapports à la connaissance, et notamment, on l'a vu la dernière fois, donc pendant le deuxième volet de cette lecture de Illich sur Hugues, c'est un changement complet dans la hiérarchie des objets du savoir. Pour Hugues de Saint-Victor, tout est bon à connaître. C'est juste un problème à la fois lié à la possibilité de trouver la richesse partout où elle se trouve et aussi lié à la méthode, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui, vous allez le voir un peu plus hein, dans ce troisième chapitre, dans les relations de Hugues, par exemple à l'Ars Memoria, mais un rapport méthodologique chez Hugues de Saint-Victor qui est important. On avait vu la dernière fois sa relation dans le cadre du savoir un nouveau questionnement des arts dits libéraux, donc des trois groupes, du trivium et du quadrivium, c'est-à-dire les arts considérés comme majeurs à son époque, et lui invitait plutôt à reconsidérer leur supériorité hiérarchique supposée, implicite, sur tous les domaines de la connaissance, en imaginant au contraire qu'on pouvait trouver une source inépuisable de jouissance intellectuelle et spirituelle, digne d'approcher le monde dans toutes les activités humaines. Cette séparation hiérarchique, elle est au cœur de la pensée de gauche. Hein. C'est cette brisure ce raccommodement dans les vieilles séparations, en finir, casser les cassures et réparer les accrocs de la trame sociale en renonçant à la hiérarchie des pratiques et des savoirs. Évidemment, c'est quelque chose qui est assez central dans la plupart des pensées de gauche.
En tout cas, celle qui mérite ce nom. Bref, on a vu un petit peu tout ça dans les deux précédents lives. Donc, on va pouvoir continuer comme ça à partir du troisième chapitre qui s'appelle Le coffre au trésor dans le cœur du lecteur. Parce qu'évidemment, le rapport au savoir chez comment chez Hugues de Saint-Victor, même s'il décloisonne complètement on pourrait dire la typologie des connaissances, il est énormément lié à la lecture. Certes, il sait reconnaître tout l'intérêt qu'il y a à plonger son expérience, son attention et sa curiosité dans le travail d'un forgeron. Pour autant, mais c'est un homme d'église, un homme du XIIe siècle. Il fait partie d'une école de pensée importante, donc cette fameuse école de Saint-Victor, dont on a un peu parlé hein, quand on a causé de sa formation intellectuelle. Donc sa vision de l'apprentissage passe énormément par la bibliothèque, par le livre, etc. Donc on va beaucoup parler de lecture avec Hugues de Saint-Victor. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Est-ce qu'on pourrait déjà y aller? Parce que c'est sûr que sans Gabriel ou Gaël, bon bah forcément on y va un peu mollo sur les digressions. Je me sens pas vraiment la capacité de digresser tout seul. Je ne me vois pas me donner la réplique pour ça. Donc on peut commencer assez tôt. Voilà, la caméra est mal placée visiblement. Voilà. Salut Ophana. Eh bien, on peut y aller. On va y aller. Alors, ce sujet, c'est le coffre au trésor dans le cœur du lecteur. Alors, on avait commencé hein, avec le manuel de Didascalicon, qui est un des livres les plus importants d'Hugues de Saint-Victor, donc dans le chapitre Ivanilis se réfère à ce manuel, il parle Didascalicon. Excusez-moi, je me mets en bouche. Voilà, ça va être un petit peu long pour prendre mes marques, hein, à la fois intellectuelles et puis rhétoriques. Salut, Jasmine. On va y aller. Dans le manuel en question, Hugues s'adresse à de très jeunes étudiants qu'il invite à développer et à affiner leur mémoire. Alors, voilà les termes dans lesquels il le fait. Il écrit ceci. Comme les vertus, les sciences ont leur degré. Tu dis, je trouve dans l'histoire beaucoup de choses dans l'utilité. Ah non, ça c'est relatif au dernier truc, pardon. Autant pour moi. Je recommence. Oui, je suis vraiment pas en forme là. Hein. Je suis pas réveillé. Je recommence. La note à laquelle renvoie ce début, c'est la note 87, donc pas la 84, qui renvoie à Arca. Alors, pourquoi Arca? Arca est un endroit où on peut garder à peu près n'importe quoi. C'est une caisse, une boîte ou un coffre. Mais c'est aussi bien un cercueil ou l'arche de Noé. L'arca du monastère était placée dans la sacristie pour y ranger les trésors, vases et ornements liturgiques. Reliques et notamment crânes et ossements de saints, si possible assortis, enfermés dans de riches coffrets et enfin des livres. Donc salut Evil, alors ça je vous ai déjà décrit ça un petit peu, hein, les lipsanothèques dans ces grands ensembles qui ressemblent quasiment à des salles d'archives, des reliques de saints qui sont ordonnées sagement derrière, bah, depuis un certain temps, depuis environ le 15e siècle, on fait surtout des reliquaires à monstrance, c'est-à-dire qu'on voit les reliques à travers les reliquaires, il y a des petites vitres pour les montrer, donc ça c'est un processus qui va lentement se mettre en place pour que d'une certaine manière cette vérification visuelle du croyant, du fidèle, puisse créer une sorte d'opération de consommation des vertus de la relique. Auparavant, les reliquaires étaient des choses closes dont on ne voyait pas le contenu. Si vous vous intéressez à l'art du reliquaire, écoutez, on pourrait faire un petit saut dans un des musées du Limousin où on pourrait voir ça. Donc là, comment Ivan Illich nous parle d'un certain régime de classification, l'endroit où on va cacher d'une certaine manière toutes les choses précieuses, parce qu'il y a une espèce de polysémie de l'arca. Alors, il est fait référence également à l'endroit où on range les livres. La tradition de ranger le livre dans un coffre particulier, c'est un héritage juif. Enfin, le Sefer Torah, le livre de la Torah, est lui-même rangé dans un coffre particulier qui est dans le temple. Et d'une manière générale, si vous voulez, on pourrait évoquer un petit peu ce mot dont il parle, arca en latin. Donc,
On peut garder, il dit à peu près n'importe quoi. Ce à quoi ça se réfère le plus, évidemment, si on a en tête l'arche, les modèles d'arche, la pensée de l'arche pour les croyants, pour les chrétiens, ça va puiser dans l'Ancien Testament les figures les plus importantes de l'arche. Je pense que vous les avez en tête. Salut à toi, pleure de joie. C'est-à-dire, la première, c'est l'arche de Noé, qui est décrite dans la paracha qui porte le nom de Noé, donc Noah, elle s'appelle. Hein, traditionnellement, vous le savez, on nomme les chapitres de la Torah, comme on le fera longtemps d'ailleurs dans tous les textes importants, jusqu'à assez loin dans le Moyen Âge. On prendra cette habitude d'appeler les textes savants ou les textes importants par leur incipit, c'est-à-dire par les premiers mots qu'ils constituent. Donc la paracha, le chapitre qui contient dans l'articulation qu'on en fait dans la tradition juive, qui contient les allusions faites à Noé. S'appelle elle-même Noah, qui est le premier mot de cette paracha, donc tout au début hein, de l'Ancien Testament, tout début de ce qu'on appelle Bereshit, donc la Genèse, et c'est juste après le chapitre Bereshit, donc là on est vraiment dans la deuxième articulation, et après ça doit être l'Ekleva, le va pour toi, qui voit apparaître Abraham, enfin Abram au début, qui deviendra Abraham. Donc on est au début de la Genèse. Pour la première évocation de cette arche dont on va entendre parler. Et il faut savoir, un truc important, c'est pour ça que je reviens là-dessus, la notion de l'arche, je ne sais pas si Ivan Illich va insister sur la question de l'arche en dehors de cette petite note en bas de page, hein, mais il faut savoir que le mot arche en hébreu signifie également le mot mot. C'est important. Donc, on pourrait dire que cet épisode qui va voir se construire l'arche par Noah pourrait être rapporté symboliquement complètement à la dimension du langage, et notamment pour une autre raison, hein, c'est que la paracha dont je vous parle, donc ce chapitre qui parle de Noé, est aussi le chapitre qui parle de Babel. Donc il y a un dialogue permanent entre ces deux moments extrêmement importants de la Genèse, c'est-à-dire entre ce qui se passe pendant le déluge et ce qui va se passer pendant l'épisode important de la tour de Babel. Alors, symboliquement, on pourrait penser que tout ce chapitre invite, autour du mot arche, hein, autour du mot teva, à repenser complètement le rapport au langage. Ce qui est supposé, d'ailleurs, c'est une des interprétations récurrentes dans la tradition rabbinique de ce passage, c'est que c'est une sorte de perversion générale des discours dans lesquels se trouverait la racine du mal, c'est-à-dire une espèce de fatum qui serait tombé sur l'humanité pour un mésusage de la parole qui leur a été donnée. Une espèce de trahison, finalement, de ce cadeau de Dieu, une violence verbale, une vulgarité aussi. On appelle aussi Losh Nehoré ou Leshon Hara. Enfin, la prononciation est différente selon que vous avez une prononciation comme en Ashkenaz ou Sépharade. Et donc, c'est la mauvaise langue, le non-respect de la parole donnée, le double langage. La médisance, ce dont le Schneoré, c'est ça, c'est la médisance, toute cette espèce de torsion de ce cadeau fait par Dieu qui est censé en rapprocher le plus de lui, pourrait être interprétée autour de l'épisode noaïque comme une invitation à repenser d'une façon générale donc les rapports au langage. Donc vous avez une paracha avec ces deux épisodes. Le déluge et la tour de Babel, liés autour, donc, ici, la première apparition du mot Teva, parce qu'il y en aura une deuxième occurrence, on en parle après, qui est donc extrêmement polysémique, puisque c'est le mot mot, le mot mot, donc, oui, pleure de joie, le mot mot, est également implicite dans ce chapitre. Par exemple, le Baal Shem Tov, donc un rabbin important dans l'histoire de la longue création de la tradition chassidique, comprend l'injonction de Dieu faite à Noah, comprend cette injonction « Construis-toi une arche », comme
construis-toi un mot. Il faut donc pour lui, pour le Baal Shem Tov, que l'humanité repense l'usage qu'elle peut faire de son mot, des mots, du langage d'une façon générale. Alors bon, après la Torah revisitée dans ce qu'on appelle les Gematria, salut Bichette, c'est-à-dire la lecture un petit peu numérique, comme ça, d'une certaine tradition rabbinique, un peu kabbaliste, voit dans les dimensions qui sont données de l'arche, la dimension elle-même, une série d'analogies entre le dispositif, comment on pourrait dire, extrêmement métrique et rigoureux, hein, l'arche. C'est un opossum, Agnès. L'arche est décrite minutieusement, que ce soit cette première arche, l'arche de Noé, ou la seconde dont on parle après, dans l'injonction divine, avec un mode d'emploi très précis. Hein. C'est beaucoup plus précis que Ikea, et on sait exactement ce qu'on doit faire, quelle mesure doit avoir chaque truc. Faut pas déconner avec ça, on fait pas l'arche n'importe comment, donc il y a toutes les dimensions encodées du truc, et l'exégèse rabbinique arrive à cette conclusion que les dimensions de l'arche composent, avec les lettres Shin, Nun, Lamed, le mot Lachon, qui signifie langage. Voilà. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que ceux qui survivent au déluge sont invités à repenser intégralement les dimensions du langage. La langue violente des contemporains de Noah doit désormais changer de cadre, changer de paradigme. Donc on est vraiment dans une espèce de critique radicale des usages sociaux fondés sur une destruction d'une certaine, la mode du langage pensé comme mode du partage. Donc dans cet épisode, vous souvenez la première arche, hein, Dieu est furax à cause du comportement des humains, il décide de bousiller toute vie sur Terre, juste à l'exception de Noé, qui est un homme censé être plus intègre et plus juste que tous les autres, et puis des siens, enfin de sa petite famille, ses amis à la fête. Bref, toute sa famille est avec lui et ils doivent embarquer, comme vous le savez, des animaux de chaque espèce sur cette arche pendant un déluge qui va détruire la terre, qui va ravager la terre pendant 40 jours. Et après, charge à Noé et ses descendants de se reproduire entre eux. Je ne fais aucun commentaire. Pour repeupler le monde. Voilà. Après, ça va être la première alliance, l'alliance de l'arc-en-ciel, hein, qui va, d'une certaine manière, cette première alliance avec Dieu, qui signifiera la fin du déluge, correspond à la réconciliation du peuple avec lui. Voilà l'idée, en gros, quoi. Évidemment, après l'épisode de Babel, il y a la décision de construire la tour, vous le savez, pour atteindre Dieu, et la conséquence de ça, c'est la démultiplication des langues qui va rendre impossible la poursuite de ce projet. Donc il y a une espèce de double mouvement de Dieu qui est assez étrange. Il y a un fléau qui s'abat sur l'humanité d'avoir mésusé de la langue, mais pour autant, l'idée d'une langue qui les unisse tous corporellement fait peser une menace aussi interne d'une autre hybris, une espèce de démesure mégalomane qui pousserait les humains, s'ils s'entendaient tous, à se prendre eux-mêmes pour le corps de Dieu, d'une certaine façon, en étant tous réunis par la langue. Voilà, donc c'est un chapitre assez complexe à saisir. Et la deuxième arche, puisqu'on est toujours dans cette espèce d'éclaircissement, si vous voulez, de la métaphore, qui va peut-être nous aider à comprendre le texte de Illich. La deuxième arche, évidemment, c'est l'arche d'alliance, que vous connaissez tous et toutes au minimum pour avoir vu comment Indiana Jones. Donc, c'était quoi cette arche, je crois. Vous le savez, hein, c'est l'arche qui abritait. Et c'est le en même temps divin. Enfin, où t'as raison, qui n'est pas une contradiction près. Il ne nous aide pas beaucoup. Hein. On est toujours un peu placé dans des situations type injonction contradictoire. C'est les parents toxiques qui font ça en général. Hein. Enfin bon, je ne ferai pas de commentaire sur ce que je pense de notre bon père éternel, mais franchement, il a une drôle de façon
de s'adresser à ses à sa descendance humaine. Donc la fameuse Arche d'Alliance, oui, qui contient les tables de la loi, enfin pas seulement elles d'ailleurs, elles sont censées contenir les morceaux brisés des premières tables. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, mais enfin Moïse, assez colère, à un certain moment brise les premières tables, donc il reçoit les tables deux fois et il est furieux après le peuple hébreu qui continue à adorer le veau d'or. Enfin bref, je n'ai pas ouvert tout le chapitre de Mosaïque, c'est pas vraiment intéressant. Je vous dis juste que dans l'arche, il y a les tables, les deuxièmes tables qui n'ont pas été brisées, des fragments des premières tables. Il doit y avoir un rouleau de la Torah. Il y a aussi un peu de manne, donc la substance avec laquelle Dieu a alimenté les Hébreux pendant leur retraite dans le désert. Il les a nourris avec ça. Et il y a le bâton miraculeux d'Aaron, juste devant cet endroit, devant ce saint, comment le, devant cette arche. L'arche elle-même devait être placée dans le Saint des Saints, dans le temple de Salomon, dans la pièce la plus sacrée du temple de Salomon, donc le Saint des Saints à l'intérieur du temple, et a priori, personne ne devait l'approcher, à part le grand prêtre du temple qui n'y entrait et qu'une fois par an à Kippour. Voilà. Donc ça, c'est de la première version donc de cette arche, c'est cette alcôve, ou plutôt l'arche dans sa première version est contenue dans cette alcôve. Après, il y a toute une histoire. Quand le premier temple va être détruit, l'arche a été cachée puisque Josias avait pressenti la destruction du temple et il a préservé l'arche. Donc un temple sera construit, et ainsi de suite. Bref, on est censé retrouver l'arche d'origine lorsque le Machia, lorsque le Messie viendra et reconstruira le troisième et dernier temple, le fameux temple éternel. Donc voilà la deuxième version de l'arche qu'on peut trouver dans l'enseignement vétérotestamentaire. Salut à toi, comment Émir, et bienvenue. Donc voilà pour étudier, éclairer un petit peu cette note en bas de page sur Arca et ce que c'est cette chose, ce coffre abritant toutes sortes de choses, mais a priori des choses précieuses. Et Illich rajoute, c'est seulement au XIe siècle que les livres commencent à être entreposés dans des arches spéciales qu'on met à part, les archives. Et ce n'est qu'à la fin du siècle que des bibliothèques séparées deviendront des choses courantes. Donc finalement, c'est assez tardif. Et on peut dire que cette vision-là de la façon de ranger les livres au Moyen Âge, autrement que dans des sortes de coffres, il y avait eu des versions antérieures de bibliothèques, évidemment, vous avez entendu parler de la bibliothèque d'Alexandrie. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec ma caméra, mais voilà, elle n'est vraiment pas au bon endroit. C'est quoi ce bordel? Voilà, hop. Ah bah oui, je comprends le problème. C'est parce qu'elle est à l'envers, quel con. Voilà, excusez-moi, donc je passe mon temps à être hors champ, c'est chiant. Alors, donc c'est qu'à la fin du 11e siècle que des bibliothèques séparées deviennent des choses courantes. Mon enfant, voilà ce qu'écrit Hugues, donc dans le Didascalicon. Mon enfant, la sagesse est un trésor, et l'endroit où il faut le conserver, c'est ton cœur. Quand tu apprends la sagesse, tu amasses des trésors. Ce sont des trésors immortels qui ne se fanent ni ne perdent leur éclat. C'est-à-dire qu'une fois atteinte, on suppose que plus personne ne peut vous en priver. Bon, ça, on est dans la vieille parabole de l'éternité des biens spirituels devant la fugacité et la vanité, évidemment, des biens matériels. Les trésors de la sagesse sont nombreux et il y a bien des endroits où les chasser dans ton cœur. Ici pour l'or, là pour l'argent, ailleurs encore pour les pierres précieuses. Tu dois apprendre à distinguer ces endroits, à savoir où chacun se trouve afin de te rappeler où tu as placé telle ou telle chose. Observe seulement le changeur au marché et fais comme lui, vois comme sa main plonge dans la bonne sacoche et en tire immédiatement la pièce qu'il faut. Donc en fait, cette espèce de parabole qui peut vous paraître un petit peu étrange compare d'une certaine façon
la mémoire humaine, puisque c'est de ça dont il s'agit. Hein. Il s'agit d'aller fouiller dans sa mémoire les trésors de la sagesse qu'on y entachait, donc une image très littérale, très matérielle, très corporelle de l'agencement des principes intellectuels, donc de la mémoire, mais aussi de tous les mouvements par lesquels, faisant appel à elle, on produit des concepts, des idées. Tout ça est comparé de façon très organique, finalement, à une vie antérieure ordonnée comme un espace, comme un coffre, avec de multiples trésors. Alors, ça peut vous sembler très étrange, cette espèce de vision, très étrange, assez triviale, la comparaison avec des bijoux, mais ce serait oublier à quel point la valeur métaphorique du bijou et de son éclat et de la lumière qu'il contient doit pas être du tout comprise comme dans le sens vraiment d'amassement d'une richesse matérielle, mais plutôt d'une espèce d'évidence que les belles choses dont font partie les bijoux sont frappées par quelque chose de l'éclat général d'une lumière plus spirituelle, donc comme objet du monde ayant d'une certaine manière reçu quelque chose de tout ça. Salut JB Pianiste, comment vas-tu? Bah merci pour le raid, comme c'est gentil. Bienvenue, bienvenue tout le monde, bienvenue les gens. Ah bah écoutez, vous arrivez à peu près au début, je suis pas beaucoup avancé, donc ça c'est déjà pas mal. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chaîne, je me permets de vous montrer un petit peu ce qu'on y fait, ça va être rapide et après on se cause. Bonjour le Raid, et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bande dessinée, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes époustouflantes, de dangereuses agités du bocal, et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Et voilà. Bon, voilà, je vous écris comme ça un peu ce qu'on y fait. Qu'est-ce que vous faisiez chez toi, JB? Bon, j'espère que vous allez bien. Merci pour le follow, les followers, c'est super gentil d'être là. Donc ce soir, c'est un peu particulier. On est en train de se plonger dans la pensée d'un homme de gauche important dans l'histoire de la pensée du XXe siècle. Mais on va l'aborder, enfin, on est en train de l'aborder depuis trois lives de façon un peu étrange, un peu latérale, par les marges. On est en train de l'aborder à travers un penseur qu'il adorait, Hugues de Saint-Victor, homme que j'aime beaucoup aussi, qui est un intellectuel assez brillant qui a travaillé. Alors, j'ai longuement décrit hein, qui était Hugues et qui était Ivan Illich dans les précédents lives. Alors, merci pour les follow, c'est super chouette. J'ai eu tout le mal du monde d'expliquer ce que je faisais. Et j'ai fait cette vidéo pour ça, JB, parce que justement, personne ne sait jamais trop comment parler de la chaîne. J'ai vu l'autre jour sa trappe qui était bien encombrée pour essayer de décrire la chaîne. Et donc, cet homme a énormément repensé les rapports à la pédagogie et notamment aux objets du savoir. Il s'intéressait, Hugues, d'assez près à la hiérarchie du savoir en essayant d'une certaine façon de la briser. Donc là, j'étais à un moment particulier, c'est le chapitre où il parle du coffre au trésor dans le cœur du lecteur. Donc, il va falloir vous acclimater à des métaphores du XIIe siècle. Et j'étais précisément en train d'inviter les auditeurs et les auditrices à se méfier un peu de l'impression que pouvait laisser de trivialité, finalement, l'appel d'une comparaison de la richesse spirituelle à des bijoux, à des pierres précieuses. Ça peut sembler très trivial, mais c'est vraiment pas du tout le cas. On peut s'en rendre compte, par exemple, quand on lit un texte qui est un petit peu plus tardif, hein, parce que là, on est au XIIe siècle, mais si vous allez un siècle après et vous commencez à vous intéresser au roman de la Rose, en tout cas à la deuxième version, enfin la deuxième partie, pas celle de Loris, mais celle de Jean de Meung, vous voyez tout le profit que Jean de Meung tire de l'éclat, par exemple, de pierres, rubis, diamants, etc., pour à la fois faire évidemment des allégories spirituelles, mais aussi pour mettre en avant d'autres propriétés physiques de la lumière. Donc ça sert un peu à tout pour illustrer dans le monde des choses finalement une espèce de correspondance avec le foisonnement et la beauté d'un monde qui leur est accordé par Dieu. Donc on a beaucoup parlé de Dieu, alors il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est compliqué d'aborder un intellectuel du 12e et un théologien sans qu'on accepte son champ,
Moi, c'est une bonne chose en général, intellectuellement, de se dire, bon, bah là, on va lire des gens dont on ne partage pas la foi, par exemple, mais on peut se voir avec leur mode d'approche et leur mode de pensée, on peut apprendre beaucoup de choses. De la même manière, on n'est pas obligé d'épouser le credo de la physique d'Aristote, qui est un tout petit peu périmé, mais c'est toujours très intéressant de lire Aristote. Alors, pendant un petit peu de temps de lecture, on laisse de côté nos petites critiques acerbes de gros malins du 21e siècle, et on lit Aristote en acceptant des plans d'incarnation qui, certes, n'ont plus beaucoup cours, mais qui vont nous ouvrir à pas mal de trucs. Comment ça, tout le monde n'est pas chrétien? Non, enfin, non, pas même moi. Mais ça va nous aider, en tout cas, avec Hugues, aussi à comprendre les différents plans sur lesquels il articule la richesse spirituelle et la connaissance. Parce que ça coule pas de source, si vous voulez, l'idée qu'on puisse toucher à la haute spiritualité par la lecture, par l'apprentissage, par l'acculturation, c'est une drôle d'idée pour les chrétiens. Enfin, c'est pas une évidence. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le christianisme, enfin le catholicisme en tout cas, est extrêmement schisé. Il est déchiqueté entre deux tendances. Merci pour le follow, Captain Punk. Merci à tous ceux et celles qui suivent la chaîne, c'est super gentil. Il est déchiré entre deux tendances. Il y a cette image qui n'est pas encore celle de l'imitation du Christ à l'époque de Saint Jérôme, donc au 5e siècle, mais qui est déjà celle d'un renoncement au passé et aux errances de la pensée antique. Renoncement supposé, il y a toute une image de la pensée antique qui est païenne, qui est rejetée, donc se montrer au nouveau Dieu, c'est se montrer dans une espèce de nudité, d'humilité intellectuelle, d'abandon complet. Et pourtant, le christianisme a quand même un lourd héritage juif, et il est encore très très pétri de tout un rapport au texte, qui est un rapport de l'herméneutique juive au texte sacré. Résultat, eh bien, Saint Jérôme, donc au 5e siècle, lui, était un homme qui se flagellait de ne pas savoir comment se positionner par rapport à la foi entre l'étude, la connaissance très rigoureuse qu'il avait, de la philosophie antique, il était formé à ça, et puis le renoncement total dans sa grotte, avec son lion, à ce genre de choses. Eh bien, ce rapport à l'étude, je dirais comme difficile à résoudre, il va se maintenir tout au long de l'histoire du christianisme. On retrouvera l'éloge de la foi du charbonnier très longtemps, par exemple, trois siècles après Hugues de Saint-Victor, Thomas à Kempis va écrire L'imitation de Jésus-Christ, et c'est une certaine demande particulière d'un partage, donc une espèce, par tous les chrétiens, d'un rapport un peu corporel, comme ça, au Christ, où on prend avec lui la souffrance du monde dans une imitation qui, évidemment, n'est pas un choix de lettré, qui devient autre chose. Et tout au long des siècles, le christianisme, le catholicisme surtout, va beaucoup jongler comme ça entre ces deux tendances, entre l'esprit et la lettre, en quelque sorte, quoi. Alors, en quatrième, les pères et mères du désert sont un dépouillement et un renoncement à tout. Oui, oui, ça fait partie, la vie ascétique et érémitique semble être une évidence, un choix pour Paco, mais plein de pères du désert et de mères du désert. Et ça va se conserver d'ailleurs dans la vie cénométique, c'est-à-dire dès l'instant où les moines du désert les pères du désert vont cesser d'être solitaires, à décider finalement de construire des communautés, le renoncement et le dépouillement feront aussi partie, mais c'est pas un dépouillement spirituel, c'est-à-dire il y a des communautés qui sont déjà des communautés savantes. Voilà. C'est quoi la foi du charbonnier? C'est la foi immédiate, sincère et sans étude, si tu veux. Voilà. Donc, on y va. Ne me provoque pas avec des conneries, Solarius, je vais te fesser. C'est très, très vilain. Alors, donc on sortait juste, les gens du raid, on sortait juste d'une petite parabole de Hugues de Saint-Victor, qui s'adressait dans son Didascalicon à ses jeunes lecteurs, dans une parabole à base de bijoux, et j'évoquais le fait que cette représentation qu'il faisait de la connaissance et de l'accumulation de richesses spirituelles était déjà très architecturale. Elle ressemblait déjà, cette première approche, à quelque chose qui est évoqué chez Augustin, donc au 5e siècle aussi, les palais de la mémoire. Donc Hugues, évidemment, est très pétri de la pensée d'Augustin, et on entend ça résonner ici. On y va. Pour développer ce mode de contrôle sur le palais de leur mémoire, là on est vraiment dans l'expression typique, héritière de l'Antiquité, dont
enfin, qu'Augustin va faire sienne chez les pères de l'Église, Hugues demande à ses élèves de dresser un espace intérieur imaginaire, modum imaginandi domesticum, donc, et il leur dit comment procéder à sa construction. Comment construire finalement une sorte de chez-soi intellectuel pour ranger ses petites affaires intellectuelles, pour ranger ses connaissances dont on a bien compris que on les apprend pas seulement pour toucher à la sagesse, mais d'une certaine manière, plus que promesses de sagesse, elles sont des déterminants de la sagesse, on sent qu'elles en contiennent quelque chose. C'est un peu ce que nous disait le texte hein, jusqu'avant. D'accord ? Quand l'itinéraire est bien inscrit dans l'imagination de l'enfant, l'exercice consiste à visiter mentalement ces nombres au hasard. L'étudiant doit se précipiter mentalement, ici et là, vers chacun des points qu'il a marqués d'un chiffre romain. Quand il l'a fait souvent, ses visites deviennent aussi naturelles que les mouvements de la main du changeur. Parce qu'il faisait une petite analogie avec le dispositif de change au marché entre les pierres. Observe seulement le changeur au marché, fait comme lui, voit comment sa main plonge dans la bonne sacoche et en tire immédiatement la pièce qu'il faut. Une fois solidement, alors on n'est pas tout à fait dans le ballet de la mémoire, mais quand même, ça y fait beaucoup, beaucoup songer. Alors ça fait penser aussi à une autre aptitude qui est largement développée dans l'histoire de l'écriture savante chez les catholiques. Ce qu'on appelle les canons de concordance. Alors, c'est assez ancien, les canons de concordance, mais ce mode de pensée, donc cette espèce de computation du texte comme un ensemble d'objets dont on peut saisir pour les disposer les uns par rapport aux autres et les faire dialoguer entre eux, c'est un mode de pensée qui est très très courant dans l'écriture savante. Et moi, ça me fait penser à ça, en tout cas, ça me fait penser au canon de concordance. Là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. Alors, je dois en avoir des images quelque part. Voilà, ça, c'est intéressant, voilà. Est-ce que vous le voyez, là? Voilà, ça, typiquement, cette espèce de pensée qu'on va appeler computationnelle du texte, là, typiquement, je pense qu'on est vraiment dans cette histoire. Ce que vous êtes en train de regarder, je vais vous dire ce que c'est, je ne vais pas vous lâcher devant des images comme ça, nues de tout savoir. Ce qu'on appelle des canons de concordance, donc, alors ça, c'est un canon de concordance du XIIe siècle, j'ai choisi celui-là, il est sorti d'une Bible qui est Bible de Saint-Yrieix, ou Saint-Yrieix, je ne sais pas comment on le prononce, hein, excusez-moi. J'ai choisi celle-là, donc, parce qu'elle est contemporaine de Hugues de Saint-Victor. Voilà, qu'on reste un petit peu dans le contexte, mais sinon, ça c'est Saint-Victor lui-même, voilà une plus ancienne, hein. Je vous avais déjà montré des planches extraites du livre de Kell, qui est un magnifique livre irlandais du 7e, enluminé de façon assez dingue, que je vous ai déjà montré pour ces entres-là, mais là c'est une de ces tables du canon eusébien, donc des fameux canons de concordance, hein. En fait, ces canons, voilà pourquoi ça me fait penser à ce qu'on est en train de décrire dans ce rapport-là au savoir et à l'organisation finalement de celui-ci. C'est c'est mis en place par Eusèbe, donc Eusèbe de Césarée, c'est quelqu'un de très important. Je parlais des pères de l'Église, c'est un des pères de l'Église entre 3e et 4e siècle. On lui doit une très copieuse histoire ecclésiastique, une histoire de l'Église, donc des origines de l'Église. De Saint-Pierre jusqu'à Constantin, en gros, quoi. Donc, c'est une source extrêmement importante de notre connaissance sur cette période. On l'appelle de Césarée, bah, parce que c'était l'évêque de Césarée, tout simplement, en Palestine. Et il a lui-même, pour produire ce que vous voyez là, mais je crois qu'on peut en trouver en ligne aussi. Je vous avais trouvé un bidule. Attendez, on va se trouver ça. Voilà, bon, voilà un autre, ça c'est des canons de concordance zébien du carolingien. Alors voilà, vous avez pas mal de tables, si vous voulez je peux vous mettre, si vous voulez observer ça de plus près, vous pouvez les télécharger les images, si vous avez envie de comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est assez beau, hein. Enfin, ça donne envie. Voilà, vous pouvez télécharger tout ça, hop. Je vous mets le lien dans le chat. Qu'est-ce que c'est ? C'est un système de traitement, en gros. Des correspondances entre les évangiles.
Donc ça lui était légèrement antérieur, il a amélioré un système légèrement antérieur à lui, il a créé donc un système de 10 canons, chaque canon étant un moyen de faire jouer des moments des évangiles. Alors évidemment ça marche mieux avec les trois synoptiques qu'avec les quatre évangiles, mais c'est pourtant les quatre évangiles qui y passent, hein. C'est-à-dire que même l'évangile de Jean, qu'on appelle l'apostolique, enfin, qui n'est pas construit selon la même structure, qui est traité un peu à part des évangiles, les trois synoptiques, donc c'est de Matthieu, de Marc et de Luc, et donc les canons, 2 à 2 ou 3 à 3, compare les passages entre eux, ce qui permet normalement à toute vitesse pour chaque moment de l'évangile, pour comparer chacun d'entre eux l'un avec les autres, et eh bien d'avoir une lecture complète de chacun de ces moments, donc sachant que tous les moments ne sont pas partagés par tous les évangiles. Hein, vous avez des moments qui n'existent que dans un évangile. Vous avez des textes, enfin des paraboles qui n'apparaissent que dans tel ou tel évangile, et d'autres qui sont communes aux trois synoptiques, voire parfois réapparaissent aussi chez Jean. Donc les canons font comme ça cohabiter les textes et permettent de lire les références à ces textes. Alors les canons sont un peu compliqués à utiliser, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez bordélique. C'est censé être simple, mais bon, ça ne l'est pas vraiment. Le premier canon donc, va mettre en commun les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Le deuxième canon met en commun Matthieu, Luc et Jean. Enfin, les trois premiers canons mettent en lien trois évangiles, et tous les suivants les font 2 à 2. Il y en a 10 comme ça, canons, donc on les appelle Eusébiens, ou canon concordance, ou canon de Zeb, de Césarée, comme vous voulez. Donc, tout ça, c'était pour vous illustrer un peu le fait que ce mode, finalement, de construction analogique pour computer les rapports entre les objets de l'esprit, les références, fait partie fait partie de la tradition savante de l'écriture chrétienne, dans plein de dispositifs censés améliorer sinon la lecture, pour les arts de la mémoire, la capacité à atteindre au plus profond de votre mémoire. Merci pour le follow, la goutte pensante. À part des méthodes censées vous rendre plus efficace. Donc voilà. Excusez-moi de finir par « donc voilà, ça ne veut rien dire ». Donc il demande à l'élève de se plonger en lui-même, en quelque sorte. Hein. Donc, quand l'élève a été vers chacun des points qu'il a marqués d'un chiffre romain, quand il l'a fait suffisamment souvent, ses visites, donc entendez ses visites intérieures, deviennent aussi naturelles que les mouvements de la main du changeur. Il doit, d'une certaine manière, s'assimiler mentalement à ce mouvement. Une fois solidement assuré de ce cadre, le jeune étudiant peut situer tous les événements de l'histoire biblique. À chacun est assigné un temps et un lieu dans une série. Donc ça, c'est à l'intérieur du Didascalicon, hein, du bouquin de Hughes, donc, qui sont thématisés selon sa propre typologie. Patriarche, sacrifice, victoire. Donc là, pour le coup, on est dans l'organisation de la pensée de Hughes, en tout cas de son manuel. Et qu'est-ce qu'il dit ? La connaissance de l'action dépend principalement de trois choses, à savoir les personnes qui font l'action, le lieu de l'action et le temps de l'action. Quiconque conserverait ces choses fidèlement en mémoire s'apercevra qu'il a une base solide. Donc vous rendez bien compte que dans le mode de connaissance de Hughes, la mémoire prend une place extrêmement importante. Ça sera le cas énormément, d'une façon générale, dans la pensée scolastique, par exemple, la place qu'on accorde à la mémoire est considérable. Ce qui sera une source, évidemment, pour ceux qui voudront tourner en dérision quelques siècles après, notamment pour faire valeur leur propre supériorité, qui voudront tourner en dérision le savoir du Moyen-Âge, ils n'y manqueront pas, ça sera un des traits, parmi tant d'autres, qui leur permettra de brocarder cette forme de pensée. Les 70 tables qui suivent l'introduction à la méthode contiennent plusieurs milliers de données bibliques. Hughes demande que son élève situe chaque apôtre dans la série des apôtres, chaque patriarche dans la série des patriarches, puis l'exerce à faire des va-et-vient et entre les différentes colonnes. Voilà ce qu'il dit, Hughes, il dit « La confusion est mère de l'ignorance et de l'oubli, mais le jugement éclaire l'intelligence et confirme la mémoire. » Donc le jugement, on le voit là, devient une espèce d'opération a posteriori. C'est-à-dire
que la première capacité intellectuelle, c'est à la fois celle d'une sorte de classification et aussi d'une discrimination, que le jugement éclaire, certes, mais il éclaire a posteriori une intelligence qui a prédéterminé cette capacité-là, enfin ces deux capacités-là. Certaines phrases sont utilisées pour entraîner la mémoire. Ce sont des phrases mnémotechniques. Exemple, le monde fut créé en 6 jours et l'homme racheté en 6 étapes. Alors, cet entraînement, on avait déjà parlé hein, de l'obsession numérologique de la pensée, pas seulement de Hugues, hein, ça date de bien, bien longtemps auparavant, mais en tout cas de faire se reposer l'intelligence sur des séries chiffrées, c'est pas seulement, si vous voulez, une façon comme une autre d'organiser sa pensée, c'est aussi un credo qui repose sur l'idée qu'il y a une juste organisation du monde et donc du monde des idées. C'est-à-dire que ces chiffres sont censés représenter quelque chose de bien réel dans le monde sublinaire pour justifier de s'y référer. Quelque chose qui serait une espèce d'architecture sous-jacente à la beauté, à l'ordre, à l'organisation et à la puissance finalement du monde des choses. Là, on est vraiment dans la question de la mémoire, à cet endroit-là. Les questions de pouvoir la reconvoquer à tout moment. Alors, je vous ai parlé rapidement de l'art de la mémoire, mais si vous voulez, on peut faire un point rapidement. Et, à mon avis, comment il lit, je vais y revenir, mais bon, ça fait jamais de mal de faire des petits tours comme ça, un peu génériques sur des concepts. Je vous en ai déjà parlé à propos de peinture, à propos de sculpture, à propos des grands retables, pour vous dire qu'une des choses dont certains historiens et historiennes d'art sont convaincus, c'est que l'art du Moyen-Âge, les formes produites par le Moyen-Âge, donc les grands retables et les peintures en polyptyque, sont des organisations d'opérateurs mémoriels. Fonctionnent comme les arts de la mémoire, c'est-à-dire d'une certaine manière une organisation de celle-ci dans des espaces. Donc l'ars memoriae, c'est comment dire ça ? C'est des principes et des techniques mnémotechniques qui apparaissent dans l'Antiquité, déjà. Hein, vous pouvez avoir apparaître ça chez les pythagoriciens, mais aussi on suppose que c'était déjà en œuvre dans l'Égypte antique. C'est un art qui permet, enfin, qui se repose sur le fait d'organiser les images de la mémoire pour les convoquer dans une sorte de géographie mentale, de visualisation mentalisée par des systèmes de location, par des lieux, des locis, complètement imprégnés, cette organisation d'architecture. Hein, il y a quelque chose que cette pensée doit à l'architecture. Donc chez Augustin, je vous l'ai dit, lui était formé hein, à cette Ars Memoriae, il parle lui des palais de la mémoire, donc c'est des compositions d'espace, d'enchaînement, de marques, de figures, dont les fondements reposent sur les liens puissants supposés dans les arts figuratifs, entre les représentations intérieures supposées, on pense à cette époque, beaucoup de gens d'ailleurs le croient encore aujourd'hui, hein, qu'on a des images intérieures, un disegno intérieur, si on veut reprendre la terminologie qui était employée à la Renaissance par Zuccaro et ses contemporains. Donc un lien puissant entre les représentations intérieures et les représentations extérieures, c'est-à-dire celles qu'on va produire, les images à proprement parler, donc des liens entre images intérieures et production d'images extérieures. Et tout ça, ces configurations servant, donc qui sont des configurations mentales qu'on essaie d'organiser, pour améliorer l'anamnèse, c'est-à-dire la remontée à la surface du souvenir, mais également, sur cette base, pour construire des concepts à partir de cette mémoire. Donc c'est le même modèle d'organisation qui est supposé, comme s'il y avait une sorte d'architecture idéale qui puisse être tirée comme conclusion d'organisation du monde, susceptible de satisfaire à la fois un recours à la mémoire et la production de concepts comme architecture sous-jacente à ceci. Voilà, alors on appelle ça aussi ars memorativa, pas seulement ars memoriae. Alors si vous entendez la nuance, ars memoria, art de la mémoire, ars memorativa, art de commémoration, art commémoratif, d'accord ? Où là on entend plus que l'art de la mémoire elle-même comme conception d'une notion, l'art du fait d'y recourir et d'organiser sa propre mémoire. C'est pas tout à fait la même chose, on va dire que les deux façons d'en parler
évoque d'autres propriétés de ce modèle-là. Je vous ai chopé des petits textes intéressants pour vous plonger dans la pensée de cette époque. Par exemple, je vous ai choisi un moment important d'un bouquin de Frances Yates consacré à l'art de la mémoire. Frances Yates est la référence la plus importante en matière d'histoire de l'art sur ces questions. Je vous la mets ici. Lisez-la, elle est extra. Son bouquin est très très important. Donc lisez Frances Yates sur la mémoire. Et voilà ce qu'elle dit. Au cours d'un banquet, comme ça vous allez voir quelle est l'origine mythologique au moins, dans l'Antiquité, de cette idée d'une organisation architecturale de la mémoire, hein, ou géographique, ou géométrique, si vous voulez, de la mémoire. Au cours d'un banquet donné par un noble de Thessalie, qui s'appelait Scopas, le poète Simonide de Céos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte, mais il y inclut un passage à la gloire de Castor et Pollux. Mesquinement, Scopas dit au poète qu'il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue pour le panégyrique, donc le truc qui a été chanté à son, comme hommage, le panégyrique, et qu'il devrait demander la différence au dieu jumeau auquel il avait dédié le poème. Donc, vous l'avez compris, ça ne parle pas que de lui, donc il ne paye qu'à moitié le poète en lui disant « t'as qu'à aller demander le reste à Castor et Pollux ». Un peu plus tard, on a averti Simonide que deux jeunes gens l'attendaient à l'extérieur et désiraient le voir. Donc il quitte le banquet, il sortit, ne trouva personne. Pendant son absence, le toit de la salle du banquet s'écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres. Les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles étaient incapables de les identifier. Mais Simonide se rappelait les places qu'ils occupaient à table, et il put ainsi indiquer aux parents quelles étaient leurs morts. Donc les arts de la mémoire naissent dans un carnage, et la mémoire, il lui est fait appel, alors c'est intéressant que ce soit par, un chanteur, hein, par Simonide de Céos qui vient chanter quelque chose, et on voit donc repose aussi l'architecture sur un rythme, c'est assez important quand même. Et donc, que ce soit ça, et que ce soit des corps défigurés à quoi la mémoire fait appel, c'est assez beau. C'est-à-dire qu'il y a une analogie intéressante entre le corps abîmé, la mémoire en lambeaux, et la nécessité, en fait, de recomposer quelque chose qui a été détruit par un geste de mémoire. Je trouve ça assez joli. Castor et Pollux, les jeunes gens invisibles qui avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégyrique en attirant Simonide hors du banquet juste avant l'effondrement du toit. Et cette aventure suggéra au poète les principes de l'art de la mémoire, donc du coup, on attribue l'ars memoriae à Simonide de Céos, hein, dont on dit qu'il fut l'inventeur. Remarquant que c'était grâce au souvenir des places où les invités s'étaient installés qu'il avait pu identifier les corps, il comprit qu'une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire. Alors, je ne sais pas si quand vous étiez môme, vous écoutiez, bah, vous n'êtes pas mon âge, donc bon, sachez-le. Il y a plus de 40 ans de ça, il y avait un groupe qui s'appelait Complot Brunswick et qui avait mis en musique un poème de Vladimir Mayakovsky. C'est la raison pour laquelle je le connais, sinon croyez-moi, je ne connaîtrais pas ce poème, je l'avais oublié, mais ce que je ne savais pas à l'époque où j'écoutais cette musique, quand j'étais adolescent, c'est ce à quoi se référait Mayakovsky dans ce poème. C'est bien longtemps après avoir mettre un peu de cultiver des arts de la mémoire, entre autres choses, que j'ai compris quelles étaient les différentes références que vous allez entendre dans ce cas-là dans le poème de Mayakovsky. Vous allez comprendre tous et toutes de quoi il parle. À vous toutes, que l'on aimât et que l'on aime, icône à l'abri dans la grotte de l'âme, comme une coupe de vin à la table d'un festin, je lève mon crâne rempli de poèmes. Donc là, on est vraiment dans une image très matérielle, spatiale, d'une espèce d'archivage, de rangement à l'intérieur du crâne, des objets de la création et de la mémoire, icône à l'abri dans la grotte de l'âme, d'une part, et je lève mon crâne rempli de poèmes. Et il y a un deuxième appel qui est fait à cette image dans le poème, c'est juste après, comme une coupe de vin à la table d'un festin, je lève mon crâne rempli de poèmes. Souvent, je me dis, et si je mettais le poing d'une balle à ma propre fin ? Aujourd'hui, à tout hasard, je donne mon concert d'adieu.
et là, écoutez, mémoire. Rassemble dans la salle du cerveau les rangs innombrables des bien-aimés, verse les rires d'yeux en yeux, que de noces passées la nuit se pare de corps et corps versés, la joie que nul ne puisse oublier cette nuit. Aujourd'hui, je jouerai de la flûte sur ma propre colonne vertébrale. Voilà. Donc, cette chose-là, moi, évidemment, je ne l'avais pas entendue. Cet appel à Augustin et aux salles de la mémoire, je ne l'avais pas entendue, évidemment, dans Maïakovski. Vous en doutez bien. Voilà, voilà. Bref. Où j'en étais ? Ah oui. Exemple, le monde fut créé en 6 jours et l'homme racheté en 6 étapes. Tel était l'entraînement de l'apprenti moine à la localisation des références à Paris, 1 siècle avant la naissance de l'université et 1 an avant que ne soit établi le premier index alphabétique rudimentaire qui soit parvenu jusqu'à nous. L'adolescent était formé à bâtir les labyrinthes de la mémoire, à s'y promener, à s'y retrouver. Le souvenir n'était pas conçu comme un acte de repérage, mais comme une activité psychomotrice lourde de sens. J'étais encore un enfant lorsque j'ai commencé à pratiquer le Baedeker. Guide de montagne, alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Baedeker. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de ce que c'est, en fait. Je pense que c'était une sorte de marche, mais en fait, je ne suis pas sûr. C'est quoi le Baedeker ? Le guide Baedeker. Ancien guide de voyage publié par l'éditeur Baedeker. Ouais, c'est pas le nom qu'on donne à une marche, à une espèce de randonnée. Alors, Baedeker, ancien guide de voyage publié par cet éditeur. Non, d'accord, c'est pas le nom de la marche, c'est le nom juste du guide. Donc, guide de montagne, j'ai appris à déchiffrer cartes et photos avant de m'aventurer dans les rochers. Des décennies plus tard, quand je suis arrivé pour la première fois au Japon, j'ai acheté un plan de Tokyo, mais je n'ai pas pu m'en servir. L'épouse de mon hôte s'est tout simplement opposée à ce que je prépare mes itinéraires à travers le dédale de la ville en les traçant mentalement vue d'en haut. Jour après jour, elle m'a mené d'un coin à un autre jusqu'à ce que je puisse naviguer dans le labyrinthe et atteindre mes destinations sans toujours savoir abstraitement où je me trouvais. La localisation des références avant qu'existe la table des matières et l'index devait beaucoup ressembler à ce genre d'orientation sans carte auquel l'école moderne nous rend inaptes. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est que l'idée de lire une carte, de se donner une image mentale qui n'est pas dans le même plan que celui de la visite, donc d'une certaine manière de produire un écart entre le mode de déplacement dans le monde et le mode de déplacement mnémonique avec lequel vous représentez le monde, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment devant les GPS. C'est-à-dire que nous, avec Agnès, on continue à pratiquer la carte, on n'a pas de GPS. Donc, on a systématiquement une représentation plane et haute, surplombante, des espaces que nous visitons avant de les visiter. Et quand on emprunte une rue, une route, un chemin, on traverse, on sillonne les villes de cette façon. Et on a toujours une vision, comment dire, d'un objet pris dans un ensemble. Concevons jamais une rue sans les vingtaines de rues qui sont tout autour, les places qui sont à côté, et nous connaissons toujours une route dans un enchevêtrement de routes, de montagnes, de villes, etc. Nous avons une vision générale. Aujourd'hui, avec un GPS, vous avez une focale qui est juste posée à un certain endroit, qui est celui du moment même du déplacement. D'une certaine manière, vous êtes un peu dans la situation que décrit Illich au moment où, dans un rapport, cette fois-ci qui n'est pas surplombant, mais on pourrait dire un rapport complètement subjectivé de traversée de la ville, il est toutefois dans cette courte focale, qui est celle de découvrir une rue simplement dans cette rue, sans en connaître au préalable l'agencement avec toutes les autres. Et je me demande du coup ce que ça donnera comme rapport général à l'espace d'ici quelques générations, quelles relations nos descendants, si on en a, si les climato-sceptiques nous laissent la possibilité d'avoir des descendants, si jamais ça arrive, eh bien je me demande à quoi ressembleront les pensées de l'espace du siècle suivant. Hugues propose au lecteur plus avancé une arche beaucoup plus complexe. À 3 dimensions, une matrice espace-temps construite mentalement par l'étudiant sur le modèle de l'Arche de Noé.
Seul celui qui a été bien entraîné, dans sa prime jeunesse, à faire des va-et-vient dans les colonnes assez simplistes du De Tribus Circumstantis, et qui a déjà situé l'histoire du salut dans cette espèce de cadre bidimensionnel, peut suivre Hugues dans la construction de ce prodigieux aménagement de la mémoire, tridimensionnel et multicolore. Celui qui a le mieux étudié les écrits de Hugues de Saint-Victor sur l'arche morale et mystique est parvenu à cette conclusion. Merci pour le follow, Lord Rang, c'est gentil. Il faudrait 20 mètres carrés de papier pour donner un schéma lisible du modèle arche des corrélations historiques conçues par Hugues. Les médiévistes de notre siècle, qui dans leur grande majorité n'ont jamais reçu de formation mnémotechnique, peuvent peut-être imaginer un schéma de l'arche selon Hugues, mais n'ont trouvé en eux-mêmes l'univers mental du tel arche, dans laquelle, disait-il, la pensée se sent totalement chez soi. Vous imaginez tout ce à quoi il faut souscrire pour que ce soit possible. Mais à partir du moment où vous y souscrivez d'une certaine manière, vous produisez des possibilités que les choses deviennent vraies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au fond, peu importe qu'il y ait réellement des images mentales, peu importe qu'en vérité, il n'y ait dans les opérations intellectuelles que des pures abstractions plus proches d'états de langage, par exemple, mais que nous avons appris à interpréter à l'aune de ce que nous avons fait comme expérience du monde, et que nous avons pris pour habitude de penser en termes d'image mentale, le truc, c'est que les renseignements qu'on en tire fonctionnent très bien pour constituer des possibilités que nous offrent ces ponts analogiques. Et d'une certaine manière, ils sont constructibles. De la même manière qu'on peut parler d'un même tableau avec ses variabilités infinies de contraste avec un daltonien, on va trouver des modes d'acclimatation discursive qui vont nous permettre de parler de l'objet sans trahir ni nos rapports d'intensité, ni notre compréhension des mots mêmes que nous employons, alors qu'en les employant, nous ne parlons pas du même objet chromatique, par exemple. Le mot jaune nous permettra un seuil d'entendement qui gardera ses équivalences dans les deux psychés, les deux interrogations, et je dirais à l'aune du reste du monde. Et bien, de la même manière, cette idée d'un espace mental me semble être une idée complètement aberrante, mais au fond, peu importe. Peu importe, parce que si elle est maintenue, alors tout ce qui s'y pense s'y maintient également. Histoire de la mémoire. Que Hugues ait retrouvé l'art de l'entraînement mnémonique négligé depuis l'Antiquité, cela a été reconnu. Alors, dire qu'il a été négligé depuis l'Antiquité, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais donc il y a eu des hauts et des bas dans les usages de l'ars memoriae, mais oui, effectivement, le retour en force de l'art de la mémoire à la période médiévale est en grande partie dû à l'appui de Hugues de Saint-Victor. Ça, c'est une chose qui est su, qui est affirmée. On a noté l'importance qu'il accorde à une mémoire exercée comme préalable à la lecture. Mais son développement fondamental de la matrice de la mémoire, qu'il fait passer d'un modèle architectonique statique à un modèle historique relationnel, a rarement été commenté. En note, nous avons « La construction des cathédrales du XIIe siècle peut être comprise comme la création publique d'un univers symbolique des memoria. La réminiscence solennelle, célébrée de l'historia, donc pendant le sermon, hein, la renaissance de l'art de la mémoire, pratiquée individuellement au XIVe siècle, apparaît alors comme la conséquence d'un déclin de l'âge de la foi. » Donc ça, c'est une hypothèse de Martha Heinemann. Un exemple intéressant, beaucoup plus tardif, de l'utilisation de la cathédrale comme modèle d'une mémoria intériorisée est donné par Bischoff. Donc l'idée qu'il y ait une espèce de chute d'investissement du fidèle, bon, c'est une chose qui est souvent amenée, je ne sais pas si au XIVe siècle c'est quelque chose de vraiment crédible, après que les églises, les tableaux, etc. soient des opérateurs puissants de construction comme ça, dans l'espace d'opérations de la mémoire, il n'y a pas vraiment lieu d'en douter, parce que la question de la mémoire, c'est aussi une question du repos, c'est-à-dire repos de l'esprit ouvert par un plus haut degré de spiritualité. Alors certes, dans la proposition d'Hugues de Saint-Victor, ce n'est pas le cas. Il faut faire précéder l'activité intellectuelle de lecture par la mémoire.
Mais dans le cas de figure, par exemple, qu'on peut imaginer légèrement désinvesti de cet apprentissage par cœur ou des opérations de foi qui feraient connaître sur le bout des doigts tout ce à quoi se référeraient les objets de la mémoire présentés dans un lieu de culte, en vérité, si vous placez dans votre environnement intellectuel une série d'objets déjà définis, eh bien, cet espace est préparé d'une certaine manière pour aller un peu plus loin dans l'aventure intellectuelle et vous amène presque immédiatement à un degré, disons, plus secondaire de complexité par rapport à vos objets. Tout ce que vous auriez pu dépenser comme temps uniquement pour revivifier par des opérations de mémoire tous ces objets, d'une certaine manière, est profitablement acquis par un environnement qui, d'une certaine manière, dépose ça pour vous, pour passer à autre chose comme complexité d'agencement. Alors, n'en tirez pas la conclusion que c'est une excellente idée de recourir à Google dès que vous avez oublié un mot et de laisser définitivement tomber toute connaissance propre pour passer toujours à l'étape supérieure, parce que le but du jeu, c'est quand même de passer à l'étape supérieure, et je pense qu'il y a un moment à partir duquel, quand il n'y a plus aucune intériorisation de concept, il ne doit pas se passer grand-chose. Donc, n'en profitez pas. Ce n'est pas une invitation à abandonner l'Encyclopédia Universalis et sa lecture, pour se reposer exclusivement sur la disponibilité constante à tout moment de votre ami Google. Ne faites pas ça. On a noté donc l'importance qu'il accorde à une mémoire exercée comme préalable, tatatitata. L'art oratoire grec prélittéraire et le chant épique n'étaient pas fondés sur la mémoire visuelle, mais sur la remémoration de formules prononcées au rythme de la lyre. Donc là, plutôt, on pourrait dire une mémoire rythmique. Je pense là, évidemment, à la rhapsodie, ou plutôt à l'art de la aide, parce que dans mes souvenirs, le rhapsode n'a pas d'instrument de musique. Je crois pas. Je crois que son rythme, il le tient au bâton. Tu fais ce que tu veux, Théophane. Eh ben, fais ce que tu veux. On en parlera quand l'âge t'aura pris et que tu seras juste un énorme tas de gruyère. Est-ce qu'on peut continuer à faire nos recherches sur Wikipédia? Je ne ferai aucun commentaire sur Larius. Je ne pense pas qu'on puisse passer son temps à le perdre, en fait. C'est ça le problème. C'est que quand tu voulais trouver une possibilité pour la fulgurance, la fulgurance intellectuelle, donc pas être arrêté toutes les 5 minutes pour produire de la pensée, vous ne devez pas être arrêté non plus par l'empêchement permanent que représenterait le fait de ne pas avoir pris le soin de se constituer quelques bases solides. Si vous ne le faites pas, gros, vous avez toutes les chances de faire du surplace, quoi. Je pense, hein. À mon avis, c'est assez dangereux. Et quand je vois à quel point, à titre personnel, l'usage abusif pendant au moins 15 ans d'un recours permanent à des outils numériques pour pallier mes manques de mémoire m'a finalement empêché de bosser correctement, c'est devenu de pire en pire, et j'ai arrêté. D'arrêter parce que je devenais complètement con, en fait. J'étais incapable. Enfin, je passais mon temps à bourriner. Je m'enlisais dans, à peu près, en boucle, le peu d'idées qui me venaient, parce que, tout simplement, j'étais un puits sans mémoire. Et je passais le plus clair de mon temps à fouiller au lieu de fouiller en moi-même, de recourir à toutes sortes de choses que j'avais perdues en cours de route, que je savais plus, ou que j'avais pas pris le soin de retenir parce que je comptais sur le recours. C'est assez risqué. Voilà. Moi, je dis ça, c'est risqué. Donc, tu fais ce que tu veux, Ofana, mais c'est risqué. Alors, parlons d'autre chose. Parlons d'un truc pas évident, qui va être probablement un peu difficile à comprendre. C'est la suite, c'est parce que on va parler de choses qui nous sont tellement familières que nous ne sommes pas vraiment capables de penser sans elles. Allons-y. Avant que la pratique n'ait démontré que l'élève de l'alphabet pouvait fixer dans les lignes d'un écrit des mots ailés, nul ne pouvait songer à l'esprit comme à un entrepôt ou une tablette de cire. Donc il fallait, évidemment, pour avoir cette image-là, les druides le savaient, dit Ragnou, toujours télécharger les fichiers, dit Pleure de joie. Oui, entre autres choses, et les imprimer pour ma part. Pouvoir les lire quand j'ai pas de connexion. Il y a plein de moments de la vie où j'en ai pas. Donc, ça veut dire quand même que sans cette première étape,
sont l'idée déjà d'une certaine fixation de ce qui est appelé ici les mots ailés, qu'on puisse les fixer sous une forme scripturaire, c'est-à-dire avec un alphabet, avec une série de signes de convention. En plus, vous le savez, ces conventions sont arbitraires, ce sont en tout cas pour notre langue et les langues indo-européennes, ce sont des signes graphiques correspondant à des signes acoustiques, donc ils n'ont pas de signification en propre, ils ne font que consigner d'une certaine manière les sons que nous émettons. Avant d'avoir cette vision-là du mot, donc non plus comme concept glissant d'une bouche à une oreille, d'un corps à une assemblée, mais aussi, déjà sa fixation écrite, on ne pouvait pas imaginer une sorte d'entrepôt figé où il dit tablette de cire, donc longtemps on a pris des notes sur des tablettes de cire, pour se représenter cette organisation de la mémoire. Il fallait déjà ça. Même si ça n'est que une certaine étape de complexification qui permet ce mode d'organisation. Puisque, on l'a dit, Simonide de Chios, c'est une période où l'écriture n'a pas le poids qu'elle a aujourd'hui. C'est une écriture basée sur la correspondance orale et rythmique, c'est-à-dire que les échanges intellectuels à la période de Simonide va s'instituer par rapport les prémices de cet art de la mémoire, ne sont pas... c'est pas une période de l'écriture à proprement parler. Évidemment, on écrit, on sait consigner les textes, mais c'est pas comme ça qu'on pense la transmission, et mieux encore, c'est pas du tout comme ça qu'on pense la mémoire. Consigner un texte, c'est pas l'écrire pour un philosophe grec, c'est l'apprendre par cœur et le donner oralement, puisque la tradition est vraiment celle de l'oralisation du texte. Donc aller à l'agora, partager le savoir, c'est ça, ancrer la mémoire. Le texte, c'est juste un petit truc en plus au cas où, et puis pour permettre une plus vaste circulation. Mais le texte, après, il est destiné à être lu oralement pour que les autres s'en souviennent. Et il va falloir changer donc de vision du monde, de vision du rapport au concept, pour d'un seul coup organiser, fixer de façon aussi évidente et rigoureuse cet ars memoriae. Ce type de mémoire et sa mise en valeur artificielle par l'entraînement de la mémoire vint au jour lors du passage de la Grèce archaïque à la Grèce classique. Alors, qu'est-ce qu'il y a en note ? Bon, il y a une note qui est juste bibliographique. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les dates de la période archaïque et de la période classique. Si vous le savez pas, la Grèce archaïque, dans la chronologie, c'est la périodisation, c'est toujours à la serpe, et c'est bon, rangez pas ça dans les tiroirs clairement définis, c'est aussi bien. Donc la Grèce archaïque, c'est juste après ce qu'on a appelé les siècles obscurs, qui suivent en gros la période mycénienne, et qui portent, c'est pour ça qu'ils ont ce nom, les siècles obscurs, la période, la chute de la période mycénienne, donc qui s'achève autour du XIIe siècle avant l'ère chrétienne, et donc qui s'étire entre 12e et 9e et 8e, voilà, je crois que c'est ça, hein, c'est la Grèce archaïque, c'est période mycénienne, siècle obscur. Donc période mycénienne, ça s'arrête au 12e, donc ça doit être 16e, 12e. Période mycénienne, siècle obscur, donc 12e, 9e, 8e, en gros. Je crois que c'est ça. Hein. Ça débute en gros entre 800 et 700, la Grèce archaïque. Le point de repère, c'est un des premiers Jeux olympiques. Et la fin, c'est à la période des guerres médiques. Donc, c'est les guerres, vous savez, entre les Achéménides et les Perses, on a déjà parlé, qui se finissent vers 480 avant la période de grec classique. Donc, vous avez ça, mycénienne, siècle obscur, Grèce archaïque, Grèce classique. Donc la Grèce classique, c'est après cette fameuse, ça débute du coup avec cette victoire des Grecs sur les Perses, donc la bataille de Salamine, et ça s'arrête à la mort d'Alexandre le Grand, et après c'est la période dite hellénistique. Voilà, vous l'avez, mycénienne, siècle obscur, archaïque, Grèce classique, période hellénistique.
Voilà. C'est Platon qui disait, oh là là, les jeunes, ils font que lire, ils apprennent plus rien par cœur, ils branlent rien, c'est la fin de la civilisation. Exactement, fleur de joie. Alors, c'est les aristos qui font de la muscu, les tablettes de cire. C'est exactement ça. Oui, ils apprennent plus rien, ils branlent rien, c'est la fin de la civilisation. Comme si c'est ce que je disais. Hein, je ne parle pas de ça. Mais vous faites bien ce que vous voulez. J'en ai rien à branler. Moi, je suis vieux. J'en ai plus rien à foutre de rien. Voilà, rien à branler. Donc, où j'en étais? Quelques rudiments de l'histoire de la mémoire doivent être rappelés pour saisir la place unique de Hugues. D'accord? La bataille des Salamis, bravo sur les Russes. Super drôle. Hein. Là où les anthropologues discernent des cultures, un historien des espaces mentaux pourrait distinguer différentes mémoires. La façon de se remémorer et de se souvenir a une histoire, dans une certaine mesure distincte de l'histoire de l'objet du souvenir. Au cours du XIIe siècle, l'art de la remémoration disciplinée et cultivée passa par une métamorphose comparable seulement à celle qui est apparue lors de la transition de la Grèce pré-littéraire à la Grèce littéraire. Il y a une analogie patente entre la découverte du mot et la syntaxe, au tournant du 5e siècle avant l'ère chrétienne, et la découverte de la mise en page de l'index peu avant la fondation de l'université en Europe. Alors, analogie entre la découverte du mot, ah oui, comme unité. Bon, là, j'ai pas de connaissances en histoire de la linguistique. Ça me paraît très récent, moi, comme invention, 5e siècle avant l'ère chrétienne. J'aurais tendance à penser que cette unité lexicale est antérieure. Bon, voilà, il faudrait faire appel à Linguisticae. Pour en savoir plus, Salamine Dada, excellent, grande bataille de cavalerie navale. De mieux en mieux. What an incredible calembour! Nous oublions parfois que les mots sont des créatures de l'alphabet. À l'origine, la langue grecque n'avait pas de mots pour dire le mot, identifié comme tel. Ça, c'est intéressant. Les Grecs n'avaient que divers termes se rapportant au son et à d'autres signaux ou expressions. Le dire pouvait être articulé par les lèvres, la langue ou la bouche, mais aussi par le cœur quand celui-ci parlait à un ami, par le thumos, qu'on pourrait aussi rendre par arrogance virile, qui s'emparait d'Achille et le poussait au combat ou par un coup de sang. Donc notre genre de mots, comme les autres éléments syntaxiques du discours, ne prirent de sens qu'après avoir été couvés par l'alphabet durant les premiers siècles de son usage. C'est-à-dire, d'une certaine manière, là on voit cohabiter la conquête d'une certaine abstractisation, puisque entre le mot qui est quand même une unité sémantique, donc une unité liée au sens, et l'alphabet, qui, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir, mais fixe essentiellement des rapports acoustiques figés en signes graphiques, cet alphabet, pour le coup, n'implique pas, à proprement parler, le mot. Je veux dire qu'on pourrait tout à fait considérer l'alphabet comme unité, c'est-à-dire qu'il ne fait que retranscrire la phrase, par exemple. L'unité sémantique pourrait tout à fait être imaginé comme phonétiquement, on pourrait avoir un alphabet considéré comme une longue ligne phonétique, sans que ça implique nécessairement l'isolation de certains objets du discours de façon sémantique. Là, c'est ce qui est dit, c'est une espèce de contemporanéité hein, de ces deux productions. Je l'apprends. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, antérieurement au 5e siècle avant notre ère, on était incapable d'apprendre ou de retenir une série de mots. Si nous pouvons fixer notre esprit sur de telles unités et les cueillir dans notre dictionnaire mental, c'est que nous savons les épeler. Alors c'est sûr que quand on apprend à parler, malgré les illusions qui sont données par les processus pédagogiques, mais qui en fait nous renseignent sur eux-mêmes et pas tellement sur ce qu'on apprend, nous sommes pris dans des phrases lorsque nous naissons. C'est-à-dire que les adultes, entre eux, ne parlent pas avec des mots. Personne ne parle avec des mots. On parle avec des phrases. Donc, on est tout de suite pris dans le flux de l'organisation des énonciés et du discours, mais pas du tout dans un mode séparé. Ce qui veut dire que, confronté à la production du sens, celui qui s'y donne aux premières immersions, celui ou celle qui s'y donne dans les premières immersions, est pris par ce flux et qui est un flux discursif
qui dit bien plus que les éléments qui le composent. Alors comment se place le texte que tu lis par rapport aux recherches contemporaines de linguistique historique? C'est un texte tardif, c'est un texte de 91. Et donc c'est un texte d'Illich vraiment sur la fin. C'est un homme plutôt scrupuleux. Donc je suppose qu'il sait comment il s'est renseigné. Mais bon, 91, ça commence à dater. Cette discipline, la linguistique, comme toutes les autres, fait des bonds par gros paliers dans les 20-30 dernières années. Donc je ne sais pas du tout, pleure de joie, où on en est avec ça. Écoute, écoutons ce que ça nous dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tenir pour certaines cette espèce de comment d'ontogenèse du mot, même si a priori j'ai vu la rigueur de travail habituelle de Illich plutôt en confiance en général, mais oui on peut se demander. Ça vaudrait le coup pour d'interroger un linguiste spécialisé dans l'histoire de sa discipline pour en savoir un peu plus. Si nous pouvons fixer notre esprit sur de telles unités et les cueillir dans notre dictionnaire mental, c'est que nous savons les épeler. En fait, l'alphabet est une technologie élégante pour la visualisation des sons. Ces deux douzaines de caractères déclenchent le souvenir d'expressions qui ont été articulées par la bouche, la langue et les lèvres, et filtrent ce qui est dit par le geste, la mimique ou les traits. Effectivement, il y a toute une partie de ce qu'on appelle le suprasegmental, donc ce qui est dans un autre plan des énoncés, mais qui est tout aussi important, qui n'est pas pris en charge par l'alphabet. Là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui passent à l'as. Quand on cause, on se dit beaucoup, beaucoup d'autres choses qui passent par l'expressif, le signe, les intensités, les tonalités, et ça compte. La plupart des dispositions, enfin une grande partie des dispositions d'intensité rhétorique passent par l'expression, par exemple. Bon. À la différence d'autres systèmes d'écriture, il enregistre des sons, non des idées, ça évidemment. Et en cela, il est sans faille. Le lecteur exercé peut énoncer des choses dont il n'a jamais entendu parler. Voilà ce qu'accomplit l'alphabet avec une efficacité incomparable depuis deux millénaires. Pourtant, à côté de ces effets techniques voulus, pour lesquels l'alphabet est utilisable comme outil, sa simple existence dans une société dit aussi aux membres de cette société quelque chose qui n'a pratiquement jamais été consigné. Quand il devint évident que le discours pouvait être fixé et découpé en unités visibles par l'alphabet, celui-ci devint également un nouveau moyen de penser le monde. Platon notait déjà, dans le Cratyle, que les lettres en étaient arrivées à être considérées comme les éléments de la parole. Ainsi, les mots devinrent-ils les atomes du discours, et l'acte de la parole put être conçu comme la production du langage qu'on peut à son tour analyser en ses unités. Alors, j'ai rechopé le Cratyle, il y a un texte assez chouette, et j'ai retrouvé le petit passage en question. J'y vais. Alors, Cratyle, pour vous la faire courte, c'est que la position de Cratyle, en quelque sorte, elle est mimologique. Un terme qu'on doit à Genette, qui a écrit un gros bouquin qui s'appelle Mimologie, qui est consacré au cratylisme, donc à la pensée de Cratyle, et qui est pas mal intéressante. Enfin, intéressante pour les problèmes qu'elle nous pose. C'est que pour Cratyle, il est évident que la langue est motivée. Le langage et la langue sont motivés. Alors, que le langage soit motivé, déjà, c'est compliqué comme notion, je ne vois même pas ce que ça veut dire. Mais ça vient aussi du fait que langue et langage ne sont pas des notions faciles à séparer avant qu'on ne se pose vraiment les questions en termes linguistiques. Et là, quand dans le Cratyle, la question est diffuse. On passe sans cesse d'un plan à un autre, ça rend la chose encore plus complexe à saisir. Il y a un malentendu. Mais disons le langage. Disons la langue, pardon. C'est-à-dire tous les mots qui composent la langue sont motivés à exister. Ça veut dire que pour Cratyle, c'est une évidence que les mots ont un rapport matériel, d'une certaine façon, avec leur sens. Un petit peu, pour prendre un exemple à la con, hein, comme si le mot chien mordait quelque part, ou avait des poils, ou jappait, ou sentait fort de la bouche et avait la truie froide. Voilà. Alors la mimologie n'a donc pas lien avec des gars en béret, gants et maquillage blanc qui tentent de sortir des cages en verre invisible. Non, pleure de joie. Dieu soit loué. Donc voilà ce passage.
Alors, il n'y a pas que, comment dire, dans le passage, il y a Crachil, certes, mais il y a aussi Hermogène dans le dialogue qui parle avec Socrate. Voilà ce que dit Socrate. Eh bien, voyons si ces noms-là sont les seuls qui soient primitifs ou s'il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'évidemment, il va falloir parler de plein d'autres trucs. Hein. C'est la généalogie de la langue, du fait que les mots changent. Enfin, il y a énormément d'obstacles à cette idée absurde. Hein. La pluralité des langues est le premier obstacle, évidemment. Voyons si ces noms-là sont les seuls qui soient primitifs ou s'il y en a beaucoup d'autres. Je crois pour ma part qu'il y en a d'autres, dit Hermogène. C'est en effet vraisemblable, mais quelle est la méthode de division avec laquelle l'imitateur commence son imitation? Puisque l'imitation de l'essence se fait avec des syllabes et des lettres, la méthode la plus correcte n'est-elle pas de distinguer les éléments d'abord, comme ceux qui s'attaquent au rythme? Ils distinguent d'abord la valeur des lettres, puis celle des syllabes, après quoi ils se mettent à l'étude des rythmes, mais pas avant. Oui. Ne devons-nous pas faire comme eux et distinguer d'abord les voyelles, puis classer par espèce les autres lettres, celles qui ne comportent ni son ni bruit, donc les lettres muettes. Hein. Et c'est ainsi que les désignent les habiles en ces matières, puisque celles qui, sans être des voyelles, ne sont pourtant pas des muettes, ce qu'on appelle les semi-voyelles, et parmi les voyelles elles-mêmes, distinguer les différentes espèces. Quand nous aurons bien fait ces distinctions, il nous faudra à leur tour distinguer convenablement tous les êtres auxquels il faut imposer des noms, et voir s'il en existe auxquels on peut, comme les lettres, les ramener tous, et d'après lesquels on peut voir quelle est leur nature, et s'il y a parmi eux des espèces, comme dans les lettres. Alors on voit déjà une impasse, évidemment, à ce joli dispositif, mais c'est une impasse qu'on va reconnaître à 200 km jusqu'aux récentes tentatives désastreuses de la philosophie analytique de mettre en équation le discours, le langage naturel. Sur les bases de l'improbable rêverie de Leibniz, on en est toujours là. C'est que pour que ça fonctionne, ce mode de pensée, il faut avoir une vision purement nominale du langage. C'est complètement con. Hein. Enfin, on ne parle pas dans une série de substantifs. Donc à partir de là, tout ça s'effondre. Toute cette belle cathédrale de merde tombe dans une bouillasse infâme. Parce que notre langue n'est pas constituée d'une suite désarticulée de substantifs, mais bien de composition avec grammaire, conjugaison, décopule, etc., etc., etc. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué de faire fonctionner ce type d'analyse, qui ne peuvent fonctionner évidemment qu'à la condition de chercher de la motivation là où, au pire, on pourrait croire qu'elle existe, quoi. Ça va nous tenir jusqu'au bout de Leibniz. Oh, très très drôle. Jusqu'au bout de Leibniz. Alors, Ofanin, la philosophie analytique, c'est quoi? J'y comprends rien quand je tente de lire dessus. Eh bien, écoute, Ofanin, tu ne perds pas ton temps en ne lisant pas ces conneries, vraiment. Je ne commence pas, vraiment. Enfin, si tu veux perdre ton existence à des choses vaines, voilà. Si ça t'intéresse, quand même, d'en savoir un peu plus, avec Gabriel, on a pris l'un de ses oiseaux. Voilà, on s'est appuyé 6 foutus lives de 4 heures sur Goodman. Et bon sang, c'est l'enfer, quoi. Donc vas-y, c'est podcasté sur la chaîne, hein, si tu peux tout à fait faire ça, mais... Libre à toi, hein. Mais à mon avis, t'as mieux à faire de ta vie, hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Que disait Socrate? Oui, quand... à propos des noms, puisqu'on en est là. Hein. Quand nous aurons bien examiné à fond tous ces points, il faudra savoir appliquer chaque élément d'après sa ressemblance, soit qu'il faille en attribuer un seul à chaque objet, ou en mélanger plusieurs pour un objet unique. Évidemment, parce que pour qu'il y ait vocation à faire apparaître une éventuelle similitude entre un mot et son sens, il faut laisser supposer, flotter l'idée qu'il y a une primauté du sens. Vous doutez bien que ça ne peut pas marcher comme ça. Vous doutez que, évidemment, Cratyle va faire le tri, que dès l'instant où quoi que ce soit, et c'est le cas pour quoi que ce soit, est porteur potentiellement d'une pluralité de concepts ou en tout cas de digressions, oh, bah, on peut toujours trouver bon an mal an un truc qui vous arrange pour trouver de la similitude, quoi. Alors, tu as vu M. Fils citer ça comme une référence et c'était pas clair. Mais oui, mais c'est parce qu'il est à fond là-dessus. Mais justement, c'est une des impasses de M. Fils, c'est bien ça, c'est son goût pour la philosophie analytique. C'est pas un cornichon, loin s'en faut, il y a des trucs intéressants, mais bon. Alors, tu dis les débuts sont absurdes, mais tu crois que parmi les gens qui s'en revendiquent, il y a des choses très différentes.
J'aurais tendance à dire qu'elles sont très différentes, mais toutes également vaines pleurs de joie, à mon avis. En tout cas, les textes sur lesquels s'était appuyé Gabriel sont textes relativement récents. Bon, certes, il était à la fac de philo il y a 20 ans maintenant, mais en tout cas, jusqu'à il y a 20 ans, c'était quand même un immense tissu désespérant de conneries. Et surtout, ça ne sert à rien, quoi. Vraiment. S'il y a bien un moment où philosopher ne sert à rien, c'était celui-là, quoi. Le plan d'incarnation des philosophies analytiques avoisinait la température anale du phoque mort. C'était rien. Voilà. C'était une espèce de joie, d'une ivresse compositionnelle, de la logique formelle, de s'être trouvé tout à coup très très excité d'avoir agencé des agencements, composé des compositions, déduit des déductions sur des objets inexistants. Passionnant. C'était bien. Oh là là! Bon, de même, nous appliquerons, nous aussi, les éléments aux choses, un seul à une seule, quand elle paraîtra le demander, ou plusieurs à la fois, en formant ce qu'on appelle des syllabes, et nous assemblerons à leur tour les syllabes pour en composer des noms et des verbes. Et de nouveau, avec les noms et les verbes, nous composerons un tout grand et beau, et comme tout à l'heure, le peintre crée un animal par la peinture, nous, de même, nous créerons le langage par l'art, de nommer ou de parler, ou tout autre, quel qu'en soit le nom. Donc, l'idée sous-jacente, évidemment, c'est que les grandes compositions se font par des petits éléments. Et vous vous doutez bien que la peinture, par exemple, comme pratique, se prête très très peu à cette analogie. Peindre, ça n'est pas disposer des petites unités de couleurs côte à côte, localisées et disjonctives, quoi. Ce que nous avons à faire, nous, si nous savons examiner tout cela méthodiquement, c'est après avoir fait les divisions que nous avons dites, d'examiner de même si les premiers noms ou les noms postérieurs ont été établis convenablement. Alors, donc c'est ce passage-là. Voilà, on va voir le tout petit passage sur les lettres, ça va être plus marrant. Véronique a donné un signe de vie sur le Discord. Ben, vous voyez lui plein de bisous de ma part. Si le phoque mort commence à se décomposer, on peut avoir quelques degrés dans son cul. C'est vrai, mais on partait du principe qu'il était mort sur la banquise. Donc ça va prendre son temps. Alors, que dit Socrate? Eh bien, pour commencer, le R me semble être, pour ainsi dire, l'instrument propre à exprimer toute espèce de mouvement. Ben oui. À propos de mouvement, donc kinésis. Nous n'avons même pas dit pourquoi il porte ce nom, le nom kinésis par exemple. Mais il est clair qu'il veut dire l'action d'aller, iésis, car ce n'est pas est, mais est, qu'on employait dans l'ancien temps. Le commencement vient de kiéin, mot étranger, qui équivaut à yénaï, aller, le verbe aller. Hein. Si donc on voulait trouver l'ancien nom du mouvement qui s'accorderait avec notre langue, iésis serait le mot approprié. Mais à présent, par l'emploi du mot étranger kiéin, le changement de les en est, et l'insertion de N est devenue kinésis, alors qu'il devrait être kiénésis ou éisis, quant à stasis, donc repos. Il signifie la négation du mouvement, mais il a été appelé stasis par euphonie. Pour en revenir à la lettre R, je répète que l'auteur des noms, parce qu'on suppose évidemment qu'il y a une espèce d'auteur originel, donc au bureau des noms, hein, alors là, probablement, dans les siècles obscurs, il n'avait rien d'autre à foutre après la chute de l'Empire mycénien pour préparer l'arrivée de la Grèce archaïque. Il avait son petit pot à syllabes. Et il dit, bon, allez, là, on va produire tel nom. Il y a un producteur originaire. C'est très drôle. D'accord. Pour en revenir à la lettre R, je répète que l'auteur des noms a cru y trouver un bel instrument pour exprimer le mouvement et les conformer à la mobilité. En tout cas, il s'en sert souvent à cette fin. D'abord, dans les mots mêmes de rein, couler, et de roé, courant, il se sert de cette lettre pour imiter la mobilité. Et même dans tromos, tremblement, puis dans trakous, raboteux. En outre, dans les verbes comme crouéine, heurter, troéine, briser, érechéine, déchirer, truptéine, broyer, kermatiséine, morceler, roumbéine, faire tournoyer. C'est en général par le R qu'il figure le mouvement dans tous ces mots. Il voyait, j'imagine, que c'est sur cette lettre que la langue s'attarde le moins et vibre le plus. Etc. etc. Bon, la démonstration, évidemment, va être une démonstration par l'absurde, puisque d'une certaine manière, Socrate va suivre Cratyle dans certaines de ses dispositions pour pouvoir mettre en évidence leurs contradictions tout de suite après. Voilà, pourquoi j'en étais là, à cause de l'allusion à comment au Cratyle,
par Illich. Vous voyez un petit peu le contexte, quoi. Voilà, voilà. Où j'en étais. Ah, voilà. Ainsi, les mots devinrent-ils les atomes du discours. Et l'acte de la parole peut être conçu comme la production du langage, qu'on peut à son tour analyser en ses unités. Certains Grecs firent de cette alphabétisation symbolique du discours un paradigme de la constitution métaphysique de l'univers. Voilà comment Aristote le présente. Comme quoi, l'idée d'un logos a une construction à la fois intellectuelle, rationnelle et verbale du monde, et pas exclusivement une conception juive puis chrétienne. Voilà ce qui est dit par Aristote. Le Sip et son associé Démocrite prennent pour éléments le plein et le vide, qu'ils appellent respectivement l'être et le non-être. De ces principes, le plein et le solide, c'est l'être. Le vide et le rare, le non-être. Les différences dans les éléments sont les causes de toutes les autres qualités. Ces différences sont d'après eux au nombre de trois. La figure, l'ordre et la position. Là, vous entendez l'écho de ce que disait tout à l'heure Hugues par ailleurs. La différence de l'être, disent-ils, elles ne viennent que de la proportion, du contact et de la tournure. Donc là, on entend peut-être les préfigurations des catégories de l'être aristotélicienne, qui va évidemment amplifier, améliorer d'une certaine façon pour en faire un système beaucoup plus complexe d'attributs de l'être. Or, la proportion, c'est la figure. Le contact, c'est l'ordre. Et la tournure, c'est la position. Ainsi, A diffère de N par la figure, AN de NA par l'ordre, et Z de H, l'ancienne forme de Z, c'était un H couché, par la position. Donc il compare des lettres à cet endroit-là, Aristote, pour se faire comprendre. La figure est différente entre A et N, l'ordre est différent entre AN et NA, et la position du zeta et du eta, donc H horizontal ou H vertical, pour la position. Platon et Aristote rapportent ici ce qu'ils observent chez leurs contemporains, et non à leur propre opinion. Mais tous deux suggèrent l'analogie entre l'analyse alphabétique de la parole et l'analyse philosophique de l'être qui naquirent jumelles. Ça, c'est une vieille antienne normale, je dirais, de toute philosophie, à savoir, pour exister, de commencer par être une philosophie du langage. Parce que, évidemment, pour en revenir à ce dont il était question tout à l'heure, dans les prémices d'une construction philosophique, il y a la nécessité de déterminer le concept, de le nommer. Il y a donc une nécessité, à travers ça, d'établir un lien entre lui, le monde auquel il se réfère, et la pensée sur le monde, puis la pensée sur le concept elle-même. Il va falloir construire un système dans lequel il y a une cohérence entre l'expérience du monde sublunaire, entre la profondeur métaphysique à atteindre, le langage naturel et les représentations. Et tout ça passe par l'idée que notre premier questionnement, c'est à quel endroit se situe le langage pour être à même de dire quelque chose du monde et de dire quelque chose des idées. Quelle est sa compétence, quel est le lieu de sa réussite, et aussi, quelle est la nécessité pour qui produit du concept, par exemple, de travailler aussi la question de la définition, qui n'est pas simplement d'attribuer à un concept un nom, hein, mais de déterminer aussi une zone de discrimination grâce à laquelle il peut se séparer des autres concepts et apparaître dans le monde des idées de façon très claire. Et tout ça suppose une vision claire aussi de ce qu'est le langage, de ce qu'est le fait de dire, et de ce que doit la pensée au langage, et le contraire également, de ce que le langage doit la pensée. Est-ce que je suis clair? Dites-moi. Platon et Aristote donc ne rapportent pas leurs propres opinions, mais les deux suggèrent l'analogie entre l'analyse alphabétique de la parole et l'analyse philosophique de l'être qui naquit à jumelles.
Donc l'idée d'une redevabilité, comment on pourrait dire, infrastructurelle, entre, puisque là l'exemple choisi vraiment par Aristote était pris dans une image alphabétique, alors, est-ce que c'est seulement pour illustrer, ou est-ce que c'est plus profondément, parce qu'il suppose une vraie analogie de nature, hein, entre ces deux plans. Et Platon, en particulier dans le Phèdre et dans le Banquet, souligne que la remémoration vivante est supérieure à une mémoire fondée sur la référence à des lettres arides. Donc on revient à ce que disait tout à l'heure Pleur de Joie quand il évoquait qu'effectivement Platon râlait, enfin il avait un rapport au texte, c'est-à-dire le texte comme chose écrite, hein, plutôt distant, préférant de loin une remémoration prise dans la vie, dans l'oralité, etc., dans les corps, quoi. Qui ne peuvent protester quand le lecteur en tord le sens. Le symbole de la mémoire prélittéraire, c'est le barde, qui cousait ensemble les lambeaux du passé. Voilà, en l'occurrence, l'anecdote de Simonie de Géos, choisie par Frances Hiest, est quand même assez claire. C'est, en tant que couture des cadavres pour leur redonner un visage à l'endroit où les pierres les ont écrasés. C'est pourquoi on l'appelait rhapsode. Et rhapsode, ça veut dire celui qui coud. Ce que j'ignorais. Oui, est-ce que c'est un rhapsode, hein? Ça vous dit quelque chose, hein? C'est une espèce de chanteur, conteur itinérant qui allait déclamer des grands textes de ville en ville. Donc c'est différent de l'aède, parce que l'aède, lui, utilisait un instrument de musique, d'une part, je crois, et surtout, il déclamait ses propres poèmes, ce que ne faisait pas le rhapsode. Donc le rhapsode, lui, il n'a pas d'instrument, je crois qu'il a juste un bâton, et oui, il a aussi un rameau de laurier, souvent, en tout cas sur les représentations qui en sont faites sur les vases. Parce que c'est le symbole d'Apollon, voilà. Si on en croit les descriptions contemporaines du rhapsode, le rhapsode n'était pas un gars qui faisait dans la mesure. En gros, c'était très expressif comme jeu, le but étant vraiment de toucher au cœur des passions sentimentales des auditeurs et des auditrices, de les retourner, de les faire pleurer, de leur faire peur, de les faire crier, etc. Ils en faisaient un peu des caisses, a priori, les rhapsodes. Selon Platon, son inspiration consistait simplement à exprimer ce que la muse lui dictait de chanter, non en vertu d'un art, mais par la grâce divine. La divinité lui ôtait l'esprit pour se servir de lui, comme une petite marionnette de ventriloque. Par le rhapsode, l'homme est rattaché à un autre, comme les anneaux de la chaîne de fer qui pendent de cette pierre du dôme d'Héraclée, qu'Euripide appelle pierre magnétique. Telle une force magnétique, la muse lie l'auditeur à la chaîne des chanteurs. Le barde ne réfléchissait pas sur des mots. Il est ému par le rythme de sa lyre. Homère était un chanteur de ce type. Des drama queens, exactement. C'est ça. Mercure rigolo, de mieux en mieux. Alors, il faut vraiment essayer de vous détacher, hein, parce que j'entends souvent quand même cette idée, donc ça veut dire qu'elle a encore cours, qui n'est pas ouf, qui est fausse, et à savoir une assimilation finalement de la construction grammaticale de la phrase à, comment dire, comme constitutive finalement de l'expression même des idées. Alors que, c'est-à-dire séparer en unité syntaxique et sémantique, donc l'idée selon laquelle, en gros, on parlerait avec des mots. Chasser cette idée de votre esprit, nous parlons par des phrases, c'est tout autre chose, et mieux encore, ces phrases ne sont pas tout entières prises dans des questions internes à la production linguistique, où il y a des signes extra-linguistiques, au sens où on pourrait dire ça autrement, peut rentrer dans la linguistique un nombre considérable de gestes et de formules d'expressivité qui ne doivent rien au verbal. Voilà, c'est mieux dit. Homère était un chanteur de ce type. Mais Homère chantait en une époque unique. Donc Homère, c'est 9e, je crois, avant l'ère chrétienne. Hein. Dans un monde où les lettres existaient déjà, même si pour la plupart, elles n'étaient encore que des griffures,
pratiquée par des potiers comme dédicace sur des vases commémoratifs. Mais cela suffisait à des yeux grecs pour voir poindre l'expression. Pendant plusieurs générations de Grecs pré-littéraires, l'oreille fut sans cesse entraînée à collaborer avec l'œil. La réminiscence qui jusque-là avait été gérée acoustiquement sur le principe de l'écho se trouvait désormais en compétition avec un langage géré visuellement sur des principes architecturaux. Donc vous comprenez le principe. La réminiscence avant, c'est on va dire cette ère alphabétique donc, qui a un formalisme très géométrique, finalement une géométrie de l'espace, quoi, est précédée par une modalité de la mémoire qui est entièrement acoustique et spéculaire, des jeux d'écho, des jeux de miroir sonores. Le fruit de cette synergie encore innocente entre le son et la conscience de sa forme fut un type spécifique de composition créative que la vraie littérature, même en Grèce, n'a jamais su recréer. Le terme « rhétorique » fut forgé pour définir cette nouvelle technique non orale par laquelle un orateur prépare dans sa tête les phrases qu'il veut prononcer ultérieurement en public. Oui, clairement, les arts de la mémoire, vous vous en doutez bien, puisque cette période qu'on a évoquée, hein, celle de la rhétorique romaine, on a parlé déjà un peu de Quintilien et de Cicéron, c'est primordial pour soutenir la situation de conviction qu'exige la rhétorique, donc par exemple judiciaire, est supérieure à la question de la vérité, vous vous en souvenez, hein, savoir la capacité à émouvoir et à convaincre est supérieure à la manipulation de la vérité des concepts. C'est comme, c'est pas très joli joli, hein, mais bon, c'est comme ça. Et ça exige une clarté, une précision et une rigueur. Enfin, si l'on croit, si vous voulez, dans la série des tropes, si on croit dans la puissance de la rhétorique à s'articuler de façon très précise par des techniques et par des figures, alors évidemment, ces figures doivent être retenues. On ne doit pas trahir la belle organisation qu'est cette construction d'un beau discours. Donc du coup, les arts de la mémoire vont être au travail de façon très puissante, très forte, chez les grands rhéteurs, quoi, les grands rhétoriqueurs. On n'a pas su ce soir. Ben non, on ne l'aura pas. Elle est en Bretagne en train de faire la zozote avec Claire. Hein. Elles doivent bien s'amuser toutes les deux. C'est toi qui te répètes 10 fois dans ta tête la phrase à la dame de l'accueil. Oui, ou le fameux jour où on a un problème technique, on n'a pas la moindre idée de comment parler au technicien. C'est un moment de panique et d'angoisse. Et on passe 3 jours à se répéter ce qu'on va lui raconter. Et on sait qu'on passera quand même pour un cave et qu'il va nous enfumer. Ouais, je vois. L'art oratoire devenant un art majeur, le rhéteur voulut mémoriser non seulement des phrases, mais également la structure de son raisonnement et les métaphores dont il userait pour appuyer ses arguments. La construction mentale du palais de la mémoire fut la méthode la plus communément employée à cette fin par les Grecs. Donc là, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, hein, sur Augustin, les palais de la mémoire et aussi le complot Gronsvik et Mayakovsky. Voilà. Les séries de nombres qui, chez Hugues, s'étendent jusqu'à l'horizon sont nettement la réplique de ce même système. Pour être admis au cours d'un maître réputé, l'étudiant devait prouver qu'il y était chez lui, à l'aise, dans une vaste architecture imaginaire au sein de laquelle il pouvait se diriger instantanément vers l'endroit de son choix. Chaque école avait ses propres règles de construction de cet édifice. Il devait contenir plusieurs catégories d'éléments visuellement distincts, tels que des colonnes, des angles, des poutres, des pièces, des voûtes, des niches et des seuils. Donc essayez d'imaginer tout ça abritant des figures, des concepts, des idées, des choses à dire, des mots, des formules. La manière de vous y conduire, imaginez un parcours mental dans une architecture qui vous permette de sillonner la phrase en genèse que vous vous apprêtez à formuler et tous les éléments qui la composent dans leur ordre, surtout ne pas se tromper, avec des ordres de grandeur correspondant à l'intensité des moments ou à la force de la notion, etc. etc. On découvrit très tôt que pour situer et retrouver des souvenirs, la façon la plus efficace était d'associer à chacun d'eux au hasard une image mentale tirée d'une vaste série familière à l'étudiant.
Par exemple, une phrase apprise par cœur était mise en corrélation avec une chèvre, une autre avec le soleil, une branche ou un couteau, et ainsi de suite, avec le couteau dans la chèvre, etc. L'auteur qui avait ainsi équipé son palais, s'il devait préparer un discours ou un débat, n'avait qu'à se rendre dans la pièce imaginaire appropriée, saisir en un clin d'œil les objets placés sur les images, et il disposait alors immédiatement des formulations mémorisées que, pour cette occasion particulière, il avait associées à ses emblèmes. Il n'y a pas forcément, ici, dans le cas qui nous est présenté, j'en sais rien, hein, peut-être que le discours parle de chèvre, hein, mais ce n'est pas obligé. Les constructions analogiques peuvent reposer sur plein d'autres choses, hein, qui peuvent vous renvoyer ici ou là. Vous pouvez choisir, par exemple, un attribut, hein, qui va vous aider. Le cochon de Saint-Antoine peut vous aider à parler de Saint-Antoine, et peut-être ça peut renvoyer juste à la vie hérémétique, par exemple. Voilà, vous avez le cochon, vie hérémétique, vous voyez le chemin par où vous êtes passé pour y aller, et après vous n'avez plus qu'à le déplacer dans un espace, votre cochon, et vous pouvez faire dialoguer la vie hérémétique avec, par exemple, la vie cénobitique, etc. Je croyais que c'était pas un vrai truc, les Mayan Palace, comme dans Sherlock Holmes de la BBC. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas besoin d'être un vrai truc pour fonctionner. C'est-à-dire, quand bien même un dispositif est imaginaire, pour faire fonctionner les mécanismes psychiques ou intellectuels, le fait que tout ce à quoi on a recours y fonctionne également dans les mêmes modalités fait que la métaphore agit aussi puissamment que si elle avait un caractère réel d'incarnation, tu vois. Donc ça n'a pas tant que ça d'importance. Donc évidemment, oui, tu t'en doutes bien. Je réponds sérieusement à une remarque amusante, mais oui. Mais pourquoi je réponds sérieusement? Parce qu'il n'est pas rare. J'ai quelques épisodes désastreux de Star Trek ou d'abominables films hollywoodiens où effectivement les personnages en rêve se déplacent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est catastrophique. Ils vont dans des pièces où ils rencontrent des gens, et à chaque fois, on souffre, on le martyre sur le canapé en regardant ces conneries. Mais donc, il y a encore une certaine vision très spatialisée et architecturale, hein, de l'esprit humain dans beaucoup des métaphores merdiques de la fiction. Ça et le labyrinthe, alors là, dans le pompon du pompon en termes de nullité métaphorique de l'esprit humain, je crois que les deux pires, ça va être labyrinthe et échiquier. Je crois que là, on est dans le degré zéro du zéro du zéro, quoi. Alors, où j'en étais? J'étais avec la chèvre. Hein. Elle est où, la chèvre? Ah oui, c'est ça. L'auteur qui avait ainsi équipé son palais, s'il devait préparer un discours ou un débat, n'avait donc à se rendre dans la pièce appropriée pour saisir de tout ça. Quand Hugues demande à ses jeunes débutants de passer aisément d'un point numéroté à un autre sur la route mentale, et de sauter d'une station sur une route à n'importe quelle station sur une autre, créant ainsi des interconnexions, il ne fait que les introduire de la façon la plus simple à cette technique traditionnelle. Salut gros bateau. Cependant, les techniques que Hugues adopte pour mettre en valeur la lecture méditative avaient été élaborées en vue d'une autre fin, la parole publique, ce qui n'est pas le cas de Hugues. Effectivement, le chemin à parcourir, finalement, à la fin, c'est une certaine... C'est pour ça que la question de la pénétration par les sentiments de l'art de la rhétorique, elle est nécessairement prise dans un flux d'affirmation de soi où la spatialité a un autre sens, c'est celui de vous emporter dans votre parole, finalement. Donc vous traversez aussi cet espace dans la perspective de rendre publique cette parole, de la faire ricocher dans l'assemblée. C'est autre chose que, à ce moment-là, en tout cas, que pour devenir un moment de la pensée. C'est autre chose. Vous construisez un événement, en quelque sorte, un événement verbal. Voilà. L'art de la mémoire, en tant que marquage symbolique du discours mémorisé, fut créé dans la Grèce du IVe siècle, enseigné par les sophistes et utilisé en politique. Donc, je vous ai parlé de l'anecdote, hein, rapportée par Frances Yates tout à l'heure. Est-ce qu'il y en aura une autre ou pas, Agnès? Ouais, je veux bien. À Rome, au moins depuis Quintilien, donc Quintilien, c'est un peu après l'ère chrétienne, c'est dans les années 30, il est mort à peu près au début du 1er siècle, son objet et sa technique changèrent. Il fut surtout en honneur chez les juristes.
Ici, alors, je vous en ai déjà parlé dans d'autres cas, parce qu'il a écrit des textes remarquables sur l'art aussi. Hein. Ici, l'entraînement de la mémoire fait ressortir l'art de la lecture intériorisée. Dans l'Antiquité romaine tardive, l'orateur public apprenait à prendre des notes mentalement et à les lire d'un trait au moment voulu. Le virtuose de la rhétorique était donc celui qui pouvait enregistrer et marquer mentalement chaque phrase qu'il avait l'intention d'utiliser et la retrouver rapidement dans l'espace architectonique approprié de sa propre topologie intérieure. Donc se déplacer en lui-même hein, dans cette espèce de construction géométrique. Aujourd'hui, en un temps béat devant les exploits de l'ordinateur, cette technique paraît une entreprise impossible ou une bizarre acrobatie pour un cirque universitaire. Mais cet entraînement de la mémoire faisait partie de l'équipement que Hugues attendait, lui, du débutant, au XIIe siècle. L'art de la mémoire est étroitement enchevêtré avec l'art de la lecture. L'un ne peut se comprendre sans l'autre. Ce que fait Hugues lorsqu'il lit ne peut être compris si l'on ne reconnaît la place qui est la sienne dans l'histoire des deux arts. Il retrouve l'antique art du rhéteur et l'enseigne comme une technique de lecture aux marmotteurs monastiques. Merci. Oups, c'est chaud. L'entraînement de la mémoire chez les Grecs mettait l'imagination visuelle au service d'une expression orale. Tu parlais bien de la méthode d'Eleusis. Bah, en fait, elle a une longue histoire, du coup. C'est vraiment le truc. Hein. Tu as raté le début du live, peut-être, Pleurs de joie. Parce que je parlais de ça, effectivement, de cette proposition. Bah, dans ce cas-là, je renvoie encore, si vraiment la question t'intéresse, il faut lire juste Frances Yates. Hein. Ça me semble être le bon bouquin, la bonne référence, Art de la mémoire, Frances Yates. Je l'ai écrit tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore en mémoire? Hop, ouais. Des Romains comme Quintilien enseignaient la technique de l'association d'emblèmes imaginaires à des notes prises mentalement. Alors l'emblème va fonctionner à plein, hein, comme une allégorie visuelle, donc avec la possibilité, le raccourci que je vous ai fait tout à l'heure, cochon, vie hérémétique, bon voilà, c'est vraiment faire marcher à fond la question de l'emblème. Vous avez, je sais pas, enfin, je ne vais pas passer uniquement par des attributs des saints, enfin, merci pour l'arrêt. Bah, écoute, de rien, et c'est vraiment un chouette bouquin. Je pense que ça va vous amener beaucoup de choses. Mais on aurait tort de croire que ces notes fixées à une voûte ou une poutre mentale étaient destinées à une lecture silencieuse. Alors, je vous ai déjà dit, l'oralité est fondamentale au minimum, enfin, jusqu'à Saint-Augustin. Et nous le savons, nous pouvons le savoir, tout simplement parce que dans les confessions d'Augustin, nous sommes renseignés à cet égard par une note des confessions, où dans ses confessions, Augustin rappelle qu'il a vu son maître lire sans remuer les lèvres. Donc c'est quelque chose, donc c'est saint Ambroise, son maître, qui vous dit que cette possibilité d'avoir une lecture solitaire et personnelle, donc qui ne soit pas destinée à la réalisation, est impensable. Il en est stupéfait. De la même façon que leur récupération était imaginée comme un preste déplacement physique vers un endroit approprié de l'architecture mentalement créée, l'acte de la restitution engageait l'innervation psychomotrice de la langue. Ut duplici modo juvetur memoria dicendi audiendi, du dire et de l'ouïr, afin de renforcer la mémoire du dire et de l'ouïr. L'étudiant doit revenir sans cesse au même point. Quintilien souligne que la lecture intérieure de notes, donc cette espèce de mantra finalement de l'apprentissage, hein, doit renforcer la mémoire par le marmottement qui exerce la langue et par l'auto-écoute active de ce marmottement qui exerce l'oreille. Parlez bas, si bas que la voix soit comme un murmure. Vox sit modica et quasi murmuré. Selon l'opinion de Pline, donc Pline l'Ancien, je vous en ai parlé souvent, notamment à cause de son livre 35, qui est absolument nécessaire en histoire de l'art, mais bon, son histoire naturelle couvre tous les champs de la connaissance à cette époque. C'est être polymathe au 1er siècle de l'ère chrétienne, c'était possible. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais Pline, donc, que je vous invite vraiment à lire, c'est tout à fait passionnant, notamment tous ses textes sur les animaux sont assez chouettes.
Donc, selon l'opinion de Pline, qui est grosso modo un contemporain de Quintilien, cet engagement actif évitera la distraction de l'étudiant. Au IIe siècle, des hommes dotés d'une mémoire phénoménale se donnaient communément au spectacle dans la Rome impériale. Pareils exploits littéraires, condamnés en leur temps par Cicéron puis par Pline, étaient dénoncés. Procédant d'un recours excessif à une habileté technique, ils pouvaient menacer la remémoration associative libre et créative dans la formation des jeunes gens. Les pères de l'Église négligèrent l'entraînement de la mémoire, suivant partiellement en cela l'esprit du temps. Mais la raison principale du désintérêt des chrétiens pour la mémorisation artificielle doit être cherchée ailleurs. Pour les chrétiens, la mémoria était avant tout un rituel liturgique, où les grands événements de l'Ancien et du Nouveau Testament étaient représentés. Et à la différence d'autres peuples, à l'exception des juifs, les chrétiens disposaient d'un livre qui leur avait été donné comme la bonne nouvelle ou l'attestation de la révélation. Ces écrits canoniques sont la texture commune du souvenir chrétien. La lectio, la lecture, devient avant tout, dans ce contexte, une commémoration rituelle de cette histoire unique. Tu dis quoi? Tu as fait un livre avec que des textes de Pline sur les animaux qui sont drôles, car ils racontent n'importe quoi, c'était les débuts de la biologie. Bon, c'est pas tout à fait les débuts, hein. Aristote, déjà, écrit beaucoup sur les bêtes, et de façon empirique, il observe, il récolte, il rassemble, c'est aussi ce que fait Pline, il dit pas n'importe quoi, il collationne beaucoup. Donc il y a des choses qui sont des observations personnelles, mais il y a aussi, surtout, comme on le faisait beaucoup à cette époque, il y a des choses qui sont récoltées un peu partout, des on-dits, des histoires. Évidemment, oui, c'est très approximatif, notamment sur le comportement animal. C'est un peu léger. Bah, tu sais, on a encore beaucoup de contemporains qui font pas de différence entre une mouche et une guêpe. Il y a pas tant que ça de gens qui connaissent les bêtes, hein, vraiment, je veux dire. Bref. Un peu d'indulgence pour Pline, c'est ce que je voulais dire. La lecture... devient avant tout dans ce contexte une commémoration rituelle de cette histoire unique. Le lecteur pieux désire être possédé par la parole et non la manipuler. Il scrute les Écritures pour être saisi par la rédemption et la gloire. Il lit par lui-même ou en écoutant les autres afin de nourrir la sobre ébriété de sa foi, sobria ebrietas. Pour les premiers chrétiens, lire est avant tout interpréter un livre unique. Donc un rapport... finalement, un seul livre. D'un autre côté, ceci dit, il est connu dans le moindre de ses détails, hein, a priori, par les chrétiens. Donc, il y a quand même un rapport à la mémoire assez puissant. C'est quand tu lis les pères de l'Église, enfin, tu vois leur immense culture, et quand tu lis ensuite les générations suivantes, donc là, il parle quelle période? Alors, les Écritures, est-ce qu'il a donné une période exacte? Il dit que les pères de l'Église négligent l'entraînement de la mémoire, et par la suite, des intérêts des chrétiens. Il me semble quand même que quand tu lis les théologiens, carolingiens notamment, donc là on est au 9e siècle, quoi. La référence permanente à d'innombrables textes patristiques, enfin, vraiment, montre une connaissance très pointue finalement de ceci. Alors, parmi les techniques oratoires, la mnémotechnique est celle qui n'avait qu'une utilité limitée pour l'évêque en chair. Le contexte dans lequel il voulait situer toute connaissance et toute réflexion, c'était la Bible. Mais bon, celle-ci devait quand même être connue par cœur. Augustin admirait son condisciple Simplicius, qui pouvait, à la demande, réciter n'importe quel ouvrage de Virgile en commençant par le début ou par la fin. Pourtant, repensant à cet ami,
Il considère la manière dont fonctionne sa propre mémoire vivante. C'est justement quand il décide de ne pas oublier ce qui le touche le plus profondément que la mémoire lui dérobe. Et elle le lui restitue au moment le plus inopportun. Ce qu'il veut développer en lui-même, c'est pas la mémoire, mais la conscience qui le fait exprimer lorsqu'il commente l'écriture, son intelligence aimante. Il veut éviter tout étalage de science. Vous notez que il y a une vision très sélective finalement de la mémoire, comme si d'une certaine manière, il y avait un credo selon lequel la mémoire n'est pas tout temps, n'est pas un mouvement psychique particulier, une propriété de l'esprit humain, mais un mouvement inquestionné, saisissant des objets qui la constituent en tant qu'objet souvenu. On entend dans cette description que ça n'est pas la mémoire comme mouvement qui est décrite, mais plutôt une collection de souvenirs. D'où cette espèce de référence culturelle à la mémoire qui est assez curieuse. Et dans lequel, du coup, on pourrait imaginer établir une discrimination hiérarchique des choses souvenues reporterait finalement son analyse morale, son jugement moral sur la mémoire elle-même tout entière. Ce qui est assez curieux. Dans l'usage chrétien, le mot « memoria » fait référence à l'objet du rassemblement de la communauté, et donc à la conscience d'appartenir à un peuple nouveau. Pendant plus d'un demi-millénaire, l'entraînement de la mémoire fut enterré. Je ne crois pas. Je trouve que les textes théologiques disent le contraire. Qu'ils exigent un jonglage permanent avec une culture qui ne peut être obtenue que par la mémoire. Il n'y a pas de lien hypertexte qui permet d'accéder à une connaissance d'un point à un autre sans se souvenir des livres qu'on a lus, en fait. Donc, j'aurais tendance à penser, je connais peu ce qui pouvait s'écrire dans l'entre-deux de cette question, par exemple, dans l'Église byzantine, il y a une grosse activité intellectuelle dans la période où en Europe, à cause des invasions dites barbares, c'est un peu le boxon. Il y a une sorte d'engourdissement des activités, au moins institutionnellement intellectuelles. Mais il y a quand même une production quand même assez importante de la patristique tardive. Mais celle-là, je ne la connais pas. Mais pour ce que je connais un peu de l'écriture carolingienne, ça dit le contraire. Il me semble qu'il y a vraiment un maintien de ce rapport-là. Alors, il donne aussi des recettes. Ah oui, tu parles de Pline. Oh, c'est très très vaste. Il y a quoi ? Il y a 50 livres, je crois. Quelque chose comme ça. C'est tout à fait incroyable. On voit un état très très vaste des connaissances au 1er siècle de l'ère chrétienne, quoi. Oui, c'est sans doute un peu drôle à lire aujourd'hui, j'imagine. Enfin, mais je sais pas, je concède beaucoup quand je lis des livres du passé. Donc j'accepte beaucoup aussi de plans de rationalité qui sont pas forcément les miens. Mais c'est pas tout un, la rationalité. Contrairement à ce que croient les zététiciens, il y a des théologies rationnelles, celle de Thomas d'Aquin évidemment, qui s'inscrivent dans leur plan de rationalité, qui sont, je dirais, d'une incroyable perfection formelle à l'intérieur d'elles-mêmes. Peu importe qu'on ait pas en partage leurs objets, on s'en fout en fait. C'est pas compliqué la question du partage d'intérêts. C'est vrai qu'elle est centrale des relations au monde d'une façon générale pour comprendre aussi ce qui peut séparer les gens dans leur relation à la connaissance, quoi. Je dirais même que la partition des relations au monde repose énormément sur la question des rapports à l'intérêt. Exemple très simple. Pourquoi on a cette sensation étrange que, pour peu qu'on ait une vie intellectuelle d'analyse politique quelconque, étant un intellectuel de gauche, on comprend très bien comment fonctionne un fasciste, comment fonctionne un libéral, comment fonctionne un désir de droite, comment fonctionne le désir de capture, de pyramidalisation de la société. On comprend très bien les rapports de force et les désirs de droite. On comprend très bien
les processus d'accaparement et ce qui les motive, on n'a pas de difficulté à comprendre ce qui fait marcher Bolloré. Enfin, c'est simple, en fait. C'est relativement simple de voir cette machine morale, pour le coup, et son équipage, tout aussi moral, industriel, et au service de quoi ça se met, pourquoi ça se met au service de ça, et qu'est-ce que ça en part, ça nous est très simple. Le contraire n'est pas vrai. Dès que vous entendez un intellectuel de droite parler des gauchistes, vous dites, mais en fait, cette créature ne sait pas de quoi elle parle. Elle comprend pas un mot de ce qu'elle lit, des concepts qu'elle manipule, même si vous allez chez vraiment des grands classiques des intellos de droite. Salut à toi, Wamgi. Comment vas-tu? Merci pour le raid. Monsieur gentil comme tout de passer me voir. Vous parliez de quoi? Pourquoi il est parlé d'oiseaux ou pas ce soir? Écoutez, bah, je reprendrai mon développement après que vous m'ayez dit un peu ce que vous faisiez. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas chez Wamgi, je vous présente rapidement la chaîne. Allez hop. Bonjour le raid et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bande dessinée mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes époustouflantes, de dangereuses agités du bocal et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Ouais, bah vous arrivez donc directement, vous parliez de monde meilleur, ok. Alors au moment où je faisais une digression qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet de ce soir on parle de Hugues de Saint-Victor, donc un théologien du XIIe siècle, tel qu'il est conçu, lu, apprécié, décrit par Ivan Illich. Donc c'est assez passionnant, j'imagine que vous connaissez sans doute un peu Ivan Illich, un intellectuel important du XXe siècle, de gauche. Et j'étais en train de digresser rapidement sur la question des relations d'intérêt. Qu'est-ce que c'est, et qui peuvent éclairer en tout cas les rapports d'intérêt, peuvent éclairer les modalités de compréhension de toutes sortes de choses, et mieux faire toucher de près à quel endroit finalement se produit la séparation la plus violente finalement entre la question de la pensée de gauche et je dirais même l'activité politique de gauche et la pensée de droite et l'activité politique de droite. D'une manière générale, comment on va partir, là on n'est pas du tout à l'époque de Hugues de Saint-Victor, mais de cette remarque de Voltaire qui dit « l'intérêt que vous prenez à l'existence d'une chose ne prouve pas l'existence de cette chose ». C'est-à-dire que l'intérêt est d'une certaine manière aveugle. Alors vous étiez en réact sur la série de docu « Un monde nouveau ». Ah d'accord. Ce que je disais à l'instant avant que vous n'arriviez, c'est que on comprend ce qui se passe à cet endroit-là d'une séparation radicale des relations au monde autour de la question de l'intérêt, intérêt à savoir, intérêt à connaître, intérêt à posséder. On comprend pourquoi il y a une telle disparité de machines analytiques, intellectuelles et politiques à droite et à gauche. Pourquoi les intellectuels de gauche comprennent sans aucune difficulté les mécanismes qui occupent la pensée de droit, c'est fonctionnant, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas en partage la haine de votre prochain, vous comprenez à peu près bien ce qui motive la haine raciale, vous connaissez son histoire, vous voyez comment elle se constitue, vous voyez quels sont les mécanismes de capture de la possession et de la propriété, vous connaissez l'histoire de la propriété, vous comprenez les mobiles qui habitent les rapports de propriété, vous comprenez à peu près les désirs de pyramidalisation, c'est-à-dire la construction hiérarchique du monde, etc., etc. Ça ne fait pas de mystère pour vous. Ça vous désole, ça vous rend extrêmement malheureux, mais ça ne vous semble pas bien compliqué. Il n'y a pas là-dedans de grand mystère. Le contraire n'est pas vrai. Effectivement, à chaque fois que vous écoutez des intellectuels de droite, s'ils commencent à parler de la gauche, des motivations qu'ils supposent au désir de gauche, il n'y a rien. Alors, bon an, mal an, ils croient pouvoir parler de la lutte de classe, mais la plupart du temps, ils ne voient pas vraiment quelles en sont les forces oppositionnelles réelles et historiques. Ils peuvent connaître et avoir lu quelques-uns des livres qui font le socle de l'histoire de la gauche, mais comprendre ce qui peut motiver ou pas une créature de gauche à faire ceci ou cela leur échappe absolument.
Et pour une raison assez simple. C'est que la question de l'intérêt, dans la pensée de gauche, elle est extrinsèque aux motivations. L'agir de gauche n'est pas un agir motivé par l'intérêt. On ne vote pas pour soi-même. Je ne vote pas pour aller mieux. Je suis pas noir, mais je vote pour mes frères et sœurs racisés. Je ne suis pas trans, mais je vote pour que mes frères et sœurs trans aillent bien. Je ne vote pas par intérêt. Je ne vote pas pour moi. Je ne fais pas des choses dans mon seul intérêt. Et je, dans toute pensée qui suppose que pour agir et penser, on agit pour soi-même, en fait, c'est le socle de base de la capitalisation qui ne marche pas comme ça que pour accumuler des richesses matérielles, mais dans l'idée complètement saugrenue que quiconque agit, agit nécessairement pour son intérêt. Et il se trouve que précisément, cette coupure-là, elle est ontologique entre l'agir, le penser de gauche et l'agir, le penser de droite. Ce qui fait que si vous échappe cette pierre fondamentale à l'organisation intellectuelle, à savoir que les gens de gauche n'agissent pas par intérêt, il n'y a aucune chance au monde pour que vous compreniez quoi que ce soit de ce que c'est que la gauche. Ça ne va pas fonctionner. Donc ça éclaire quand même assez raisonnablement pourquoi on a cette impression de sottise de droite tout le temps, dès qu'il s'agit de certains objets de l'analyse. En tout cas, il y a des impasses radicales, mais qui ne peuvent que leur échapper à cause même de leur polarité, qui va fixer définitivement et de façon déterminante leur aptitude à se saisir de certains objets. Voilà, donc j'en étais là. Oui, c'est pas anarchisme qui est bien. J'espère. Voilà, bon, j'espère que c'était à peu près clair, mais c'est assez intéressant de garder ça en tête pour penser la question de l'intérêt, et notamment dans la hiérarchie des savoirs. Ce que posait Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle, quand il pose une déhiérarchisation, il dit « faut tout connaître, tout est intéressant à connaître ». Et c'est exactement ça. L'école pour une pensée de droite, c'est l'école qui va servir à quelque chose, c'est-à-dire donc chaque mouvement est conditionné par son horizon décelable et computable. Il faut que ce qui arrive à une chaîne d'action puisse être anticipé en tant que notion isolable, capturable, arrangeable, dans une sorte de monde de parcelles, de parcelles rassurantes du point de vue sémantique. On sait ce que ça veut dire, on sait à quoi ça sert. Ce que Hugues de Saint-Victor au XIIe siècle nous dit, c'est pas ça du tout. Il s'en fout, en fait, parce qu'il sait que savoir sert. Le verbe savoir, le fait de savoir, le verbe aller, lui est essentiel à travers la bibliothèque, à travers la mémoire, à travers la lecture. Et au fond, il sait cette chose, c'est que peu importe les objets, il a anticipé cette idée extrêmement intéressante. C'est que nous ne savons pas ce que la connaissance devient. Nous n'en avons pas la moindre idée. Nous pouvons apprendre à faire de la politique en dansant. La danse n'apprend pas qu'à danser. On peut apprendre à écrire en jouant au football. Jouer avec un ballon n'apprend pas que ça. D'une manière générale, les gestes que nous faisons, nous ne savons pas ce qu'ils font devenir. Vous pouvez lire Voltaire et ça vous aidera 20 ans plus tard à faire un tableau. Vous ne savez pas ce que va devenir un concept, une idée, une conversation avec un ami. Nous ne pouvons pas être comptables du devenir de nos concepts et de nos formulations. Voilà. Très bien, très bien. Tout ça pour... je suis complètement à côté, je suis hors de mon sujet, excusez-moi, j'erre. Alors, les sermons des chrétiens, tatati tata, j'en étais là. Donc, laisser de côté, selon Illich, l'art de la mémoire, les armes mnémotechniques. Parce que je ne crois pas. Enfin, moi, je pense que là, à mon avis, il va un peu vite en besogne. Augustin, donc, admirait Simplicius, ça on a vu ce petit passage. Dans l'usage chrétien, le mot « memoria » fait référence à l'objet du rassemblement de la communauté, et donc à la conscience d'appartenir à un peuple nouveau. Pendant plus d'un demi-millénaire, l'entraînement de la mémoire fut enterré. Alcuin, le mentor et confident de Charlemagne, se met en scène sous le nom d'Albinus dans un dialogue imaginaire avec l'empereur. Voilà, on est pile dans la période que j'évoquais pour mettre en doute. Alors, on va en savoir plus. Charles, donc Charlemagne, dit à Alcuin. Alors, je vous ai parlé de Alcuin, qui était, parce qu'on a évoqué Rabanne Mort,
Et donc, c'était le maître à penser de Ramon Morm. Wamgi nous laisse parce qu'il est fatigué, fatigué. Ben, à bientôt, Wamgi. Et bonne fin de soirée, à bientôt sur ta chaîne ou celle-ci ou ailleurs. On... Passe une bonne nuit, en tout cas. Oui, on s'excuse pour ces digressions, oui, c'est pas souvent. Mais tout ce flou est tout à fait pas de droite. Oui, je suis trahi par le flou. Est-ce que tu peux me dire de cet élément important de la théorie, de la rhétorique qu'est la mémoire, Abinous? Que puis-je vous dire d'autre que reprendre les mots de Cicéron? La mémoire, c'est une salle de trésors qui contient toutes choses. Merci pour le follow, croix, croix. Si ces choses ne sont pas utilisées comme des gardiens de tout ce que nous avons pensé et découvert... Alors Agnès vient de buter dans un truc. Ouais, c'est bon. Elle n'a pas coupé le câble. Tu dois y aller bas plus tard, pleure de joie. Cet aparté t'a fait beaucoup de bien. Écoute, cette chaîne et son chat ont beaucoup de buzz. Eh bien, grosse buzz à toi aussi. Alors, comment, où j'en étais? Si ces choses ne sont pas utilisées comme des gardiens de tout ce que nous avons pensé et découvert, qu'il s'agisse de mots ou d'objets, ceux-ci ne serviront à rien, quelle qu'en soit l'importance. Dis-moi alors s'il existe des règles par lesquelles on la peut acquérir ou accroître. Nous n'avons pas d'autres règles que celles-ci, la pratique de la parole, l'habitude de l'écriture, l'application à la réflexion et l'abstention de boissons fortes qui menacent à la fois la santé et l'intégrité. L'intention du dialogue transparaît dans les réponses. Charlemagne veut faire revivre la mnémotechnique pour des raisons temporelles. Il la juge utile à la formation de juristes classiques qui pourraient restaurer la splendeur des tribunaux romains. Alcuin, le plus grand érudit de son temps, répond avec force qu'il n'a pas grand-chose à proposer. Il se moque un peu de nous parce que lui a une mémoire quand même assez épatante. Alors, est-ce qu'il la vivifie sans le recours à l'ars memoria? Ça, c'est possible. L'arche, image de l'Église. Donc on a évoqué hein, tout à l'heure la puissance de la parole de l'arche. Et je vous ai rappelé, alors ça c'est peut-être un détail que Ilish ne connaît pas, je ne sais pas s'il y fait référence. Merci Mathieu Pat pour le follow, c'est super gentil. Je vous rappelle donc en hébreu, Teva veut dire à la fois mot et l'arche. Donc c'est quand même important, en tout cas dans la tradition hébraïque, le passage de l'arche, en tout cas celle de Noé, est un passage complètement consubstantiel à celui de la tour de Babel, c'est-à-dire une réflexion sur le langage. Au début du XIIe, l'érudition se caractérise par un effort pour rassembler, organiser et harmoniser l'héritage du passé chrétien, qu'il s'agisse de la jurisprudence, de la théologie ou des écritures. Les sentences de Pierre Lombard, hein, ou la glose ordinaire de la Vulgate, sont les fruits remarquables de cet effort. Donc, Pierre Lombard, je vous en ai déjà... parler, j'y reviens pas, je crois qu'on peut trouver... c'est dans quoi qu'on a parlé de ça? Quel live? Oh, merde, je sais plus, je suis désolé. Tous rédigés au milieu du XIIe, ils demeureront les principaux manuels en usage pour la formation de base des clercs en ces trois domaines, jusqu'au temps de la Réforme. C'est les sentences de Pierre Lombard, donc les quatre livres de sentences, effectivement, vont être le livre obligatoire hein, par lequel devront passer tous les étudiants à partir de la fin du XIIe jusque effectivement à la Réforme, donc jusqu'au XVIe siècle, largement, voire un peu au-delà. Il faudra faire un texte qu'on appelle un commentaire sur les sentences de Pierre Lombard. Ils sont tous passés par là, tous les intellectuels du Moyen-Âge. Hugues de Saint-Victor semble bien être le premier des grands personnages à proposer la mémoire comme le seul ou le principal moyen de retrouver l'information. Mais l'entraînement de la mémoire n'a pas pour autant cessé. À partir de 1150, les procédés techniques utilisés par le scribe pour donner un aspect visible à la page fournissent certaines des métaphores clés selon lesquelles les mécanismes de la mémoire et les méthodes de son entraînement sont conçus. Plus tard, au début du XVe siècle, l'ancienne discipline de l'entraînement de la mémoire fait un retour imprévu. Tout ça dans nos deux traités mnémotechniques de Hugues, donc l'élémentaire De Tribus et le plus que copieux ouvrage en deux parties De Arca Noé, donc je suppose de l'Arche de Noé, leur exceptionnelle importance. De même que dans la Grèce archaïque, l'œil a été amené à collaborer avec l'oreille pour saisir l'inspiration de la muse et sauvegarder l'immortelle Iliade attribuée à Homère, de même avant l'apogée de la scolastique, Hugues enseignait la pratique du marmottement monastique commémoratif, hein, ce truc à vous répéter à voix basse, le marmottement, dans un espace intérieur soigneusement bâti,
une sorte de cloître de l'âme, hein, un claustrum animae, dont l'agencement n'était cependant pas un palais de la mémoire, arbitrairement inventé, mais la structure révélée d'un espace-temps qui va appeler l'Historia. Il va se détacher de l'image cicéronienne du palais pour aller chercher autre chose, qui lui soit personnel et qu'il espère plus puissant, l'Historia, une structure révélée. Finkielkraut n'est pas banni, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai oublié. Si tu ne l'as pas bien décrit, il manque un i, je crois que c'est Finkiel, si je me souviens bien. En revitalisant l'ancien entraînement architectural de la mémoire, Hugues espère préparer des garçons, nés autour de 1120, à lire leur route vers la sagesse en un temps où les nouveaux recueils ne peuvent que disperser leur attention et les submerger. Il leur propose une technique absolument intime pour ordonner cet immense héritage en une construction intérieure qui soit leur création personnelle. Non seulement Hugues ranime le vieillard de la mémorisation, mais il le transforme radicalement en le mettant au service de l'Historia. Pour lui, la lecture équivaut à recréer la texture de l'Historia dans cette arche qu'est le cœur du lecteur. Alors, il y a une petite note qui nous dit, voilà ce qu'écrit Hugues, hein. « Tu as dans l'histoire de quoi admirer les faits de Dieu, dans l'allégorie de quoi croire ses mystères, dans la moralité, de quoi imiter sa perfection. » Donc là, vous entendez, on note d'ailleurs que le rythme est ternaire, qu'il n'y a pas les, on retrouve pas les quatre sens traditionnels de l'écriture, comment qu'on pouvait trouver chez Bède le Vénérable. On voit que chez Hugues de Saint-Victor, il n'en est donné que trois. L'histoire, donc c'est le sens littéral, dans l'histoire de quoi admirer les fêtes de Dieu, dans l'allégorie, donc ça c'est le sens allégorique supposé, donc qui fait toucher au dogme et au mystère de la foi, et dans la moralité, donc ça c'est ce qu'on appelait le sens tropologique, de quoi imiter sa perfection. Manque le quatrième sens dit anagogique, qui est censé toucher à la plus grande élévation mystique. Là on l'entend pas dans le texte de Hugues. Le seul fait que Hugues accepte comme point de départ et fondement de la réflexion théologique sont les événements historiques décrits dans la Sainte Écriture et cycliquement célébrés tout au long de l'année liturgique. Je suis plein d'admiration et demeure stupéfait quand en moi-même je réfléchis sur l'agencement divin des choses périssables. Donc là, ça devient assez intéressant parce qu'il est aussi question de la structure même du monde. Hein. Voici donc comment, à partir du monde où, du moment où le monde a commencé et jusqu'à la fin des siècles, la compassion du Seigneur ne fait pas défaut. Donc là, on a la justesse, la rigueur et l'admirabilité pour Hugues de Saint-Victor de la construction historique du monde. L'admirabilité interne, donc comme chaque chose dans le monde reçoit en écho, comme une chute de qualité depuis l'unique que décrivent les néoplatoniciens, des propriétés, des qualités, des beautés, de l'agencement divin hein, et des choses périssables. Je ne puis tirer de l'ordre de ces choses aucun principe susceptible de fixer les actes de la Providence. Les événements sur lesquels Hugues fonde toute son étude de l'Écriture sont si totalement déroutants qu'il ne peut en déduire aucune règle fixe capable d'expliquer comment la Providence de Dieu crée ou agit. D'accord. Dans une pleine stupéfaction devant ce miracle. Alors, tu penses que le nom de Finkielkraut est là pour avoir une belle rime avec Sauerkraut, c'est ça? Son concept de la science est explicitement fondé sur l'hypothèse selon laquelle le temps est soumis à un ordre que l'on ne peut analyser que par l'examen littéral de l'écriture, donc le premier plan de l'écriture, quoi. Ce que l'histoire raconte, d'accord? Dans Augustin d'Assy, vous avez vraiment une espèce de clarté. Augustin d'Assy, c'est 13e siècle, quand il parle du sens quaternaire, enfin les quatre sens de l'écriture, le littéral, il le décrit comme ça, il dit c'est la lettre enseigne les faits et gestes. Voilà, l'allégorie, ce qu'il faut croire. La morale, ce que tu dois en faire, et l'anagogique, comment c'est l'élévation vers une dimension, la dimension la plus spirituelle. Je ne me souviens plus comment exactement Augustin d'Assy, lui, le décrit. Ne confondez pas avec Saint Augustin.
Alors, qu'est-ce qui est dit à propos de ce sens littéral ? Hugues explique qu'en rédigeant la Genèse, Moïse fait œuvre d'historien. Il ordonne l'histoire, du commencement du monde jusqu'à la mort de Jacob. Lorsqu'on lit la Genèse, il faut donc chercher deux choses. La vérité des faits, car de même que nous connaissons... Et la forma verborum, donc c'est le texte dans sa forme, quoi. Car de même que nous connaissons la vérité des choses par la vérité des mots, alors rappelons-nous la fragile précocité de cette unité de sens, hein. La vérité des mots, réciproquement, quand est connue la vérité des choses, on peut connaître plus facilement la vérité des mots. Car par cette narration historique, nous sommes amenés à la plus haute intelligence des choses. Il écrit aussi, il semble que la distinction naissante entre l'historique au sens strict et le littéral soit très proche du noyau de la distinction entre la signification des mots et la signification des choses dans l'écriture. Ce serait ça la petite césure entre historique et littéral. La nuance entre signification des mots et signification des choses. Alors, non, à l'intérieur de l'écriture elle-même, évidemment, donc du cadre historique qui est censé être révélé à cet endroit-là. C'est un truc sur lequel va beaucoup jouer le goût numérologique, finalement, des gématria. C'est cette capacité à isoler les unités lexicales, les mots, hein, pour les faire parler tout seuls, d'une certaine façon. C'est-à-dire, dans un jeu immense de cohabitation de chaque mot avec l'ensemble des autres, en faire des opérateurs de signification un petit peu tournant sur eux-mêmes comme des machines à distribuer du sens. Zoidberg qui répond John au bot, bah alors. Tu le trouves con ce bot, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, je vois. Je vois. C'est le moment d'autodiscipline, le silice de gauche. C'était ça, c'est le bot dans son silice de gauche. Il te fait de la peine, ce bot, oui. C'est vrai, sur cette chaîne, il passe beaucoup de temps à faire de la peine. Tout peut prendre un sens dès lors que c'est en rapport avec cet ordre du temps, cet ordo, et rien n'a de sens qui ne soit situé par le lecteur au sein de cet ordo. L'arche de Noé, morale et spirituelle, conçue par Hugues de Saint-Victor, est plus qu'un palais mnémotechnique construit avec des matériaux bibliques. L'arche représente une entité sociale, un processus qui commence avec la création et qui va durer jusqu'à la fin des temps, et c'est ça que Hugues nomme l'Église, en fait. L'activité que Hugues appelle lecture est médiatrice entre cette église macrocosmique et le microcosme de l'intimité personnelle du lecteur. Alors elle est donc en gros un macrocosme, comment, dans un pli intérieur du macrocosme lui-même. Elle est monde dans le monde, avec le lecteur dans ce monde. Est-ce qu'il me traite... Oui, je le traite bien. Pour vous, la macrocosme et microcosme, je pense que vous connaissez probablement, hein, cette espèce de jeu de tension, mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, ou qui entendent souvent ces mots, mais sans vraiment savoir à quoi ils se réfèrent, soit conceptuellement, soit même historiquement, tout bêtement, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'un jeu de relations particulière entre la créature, Bibi, et Titi, et le monde qui abrite la créature, dont celle-ci est une sorte d'écho invaginé et héritant de structures et de propriétés de ce qui l'englobe. Tout ça est développé sur la base d'une sorte d'analogie universelle, vous voyez, dans lequel peuvent se tisser toutes sortes de relations d'homologie entre le tout et sa partie, des relations d'équivalence, des relations de ressemblance, des jeux de miroir, une sorte de double interrogation réflexive, entre le microcosme, l'homme, enfin l'être humain, et le macrocosme, l'univers. Tout ça est pris dans un double mouvement qui saisissent l'un par l'autre, microcosme et macrocosme, pour conclure à quoi ? À une sorte d'unité profonde entre les deux. Alors évidemment, tout ça fonctionne sur l'image d'un monde clos, d'un monde hiérarchisé, d'un monde parachevé, d'un monde immobile. C'est l'héritage aristotélicien qui a été renforcé par Ptolémée
mais qui va pas beaucoup résister, vous pouvez l'imaginer, à la révolution copernicienne, cette image. Mais ça va durer bon an mal an encore pas mal de temps dans les domaines de la poésie, par exemple. Ça pourra traverser tous les paradigmes depuis l'Antiquité, où là, ça, je dirais, ça apparaît, jusqu'au symbolisme littéraire et pictural, en passant par la Renaissance. Donc il y aura une résistance du concept à, je dirais, à la révolution copernicienne. Mais jusqu'à cette révolution, elle est quand même prise très au sérieux, cette relation, dans plein de plans intellectuels, théologiques, etc. Donc il faut se mettre en tête un monde pensé analogiquement, un monde pensé analogiquement à l'humain, hein, comme une espèce de totalité organique, dont les fondements remontent plus ou moins à Pythagore, à Démocrite, qui vont établir un socle solide de croyances par la suite pour les traditions hermétiques. Si ça vous intéresse, j'ai des petits textes. Alors, j'ai été chercher ça pour vous. Je pense que c'est pas mal de voir un déplacement jusqu'à une contemporaine, quasiment, hein, de Hugues de Saint-Victor. Je crois qu'elle est un peu plus ancienne. Je crois que c'est vraiment à l'articulation 11e, 12e, comment Hildegard von Bingen. Ouais, Hugues, lui, c'est tout début du 12e. Je connais pas les dates d'Hildegard, mais bon. Ça va être intéressant de voir comment les auteurs, à travers le temps, vont pas à pas écrire sur la question du microcosme et du macrocosme, je pense. Donc on va choisir des fondements antiques. Alors, j'ai choisi Platon. Puis Origène, donc là on est au 3e siècle de l'ère chrétienne. Je vous ai souvent bassiné avec Isidore de Séville, donc ça tombe très bien d'avoir un peu d'Isidore de Séville. Et ensuite, Hildegard. Il le garde de Bingen, donc cette mystique dont on a déjà un petit peu parlé, dont on a vu aussi quelques-unes des illustrations. Je crois qu'on a parlé d'elle à propos de la nature, de sa vision de la nature et de ses conceptions de l'encyclopédie. Voilà. Donc, que dit Platon sur cette espèce de machine à penser analogique qu'est le microcosme et le macrocosme, dans le Timée, donc, qui est une espèce de théorie du monde, hein. Il écrit: le démiurge, ayant décidé de former le monde le plus possible à la ressemblance du plus beau des êtres intelligibles et d'un être parfait en tout, en a fait un vivant unique, visible, ayant à l'intérieur de lui-même tous les vivants, qui sont par nature de même sorte que lui. En effet, le monde, tel un grand être vivant, est doué de mouvements autonomes, ce qui suppose une âme, donc le monde a une âme. L'âme motrice de l'univers est douée d'intelligence. Donc il y a un principe intelligent à l'univers. C'est pas pour autant une proposition monothéiste, hein. Faut pas du tout l'interpréter comme ça. Origène, par contre, évidemment, pour les néo-platoniciens chrétiens, ça va permettre de tirer profit de certaines propositions platoniciennes pour les arranger à leur sauce. Mais vous faites les couillons, je vous vois. Origène, dans une homélie sur le Lévitique. Lévitique est une des parties de la Bible. Homélie à un sermon, si vous voulez. Ne t'étonne pas de m'entendre dire que tout cela est en toi. Comprends que tu es un autre monde en petit, in parvo, et qu'en toi, il y a un soleil, il y a une lune, il y a des étoiles. Là, on trouve donc une espèce de cascade, évidemment, de cette construction, à savoir que si la créature est vraiment analogique au monde, bah alors la chute analogique est nécessairement infinie, puisque la propriété même de cette réplication interne fait partie de la chose répliquée, si elle est à son égal, à son identique. Donc on peut là avoir une espèce de succession, un peu comme une espèce de jeu de procession, comme ça, d'une chose par une autre, infinie. Voilà ce que dit Isidore de Séville. Donc Isidore, vous vous souvenez, c'est 6e, 7e. Au sens allégorique, donc c'est dans ses étymologies. Au sens allégorique, on peut dire que l'homme est le monde. Donc pour lui, c'est une allégorie. Hein. Parce qu'il est fait des quatre humeurs, comme celui-ci est formé des quatre éléments. Donc l'humeur, c'est la bile noire, la bile jaune, le flegme et le sang. Le flegme ou lymphe. Hein.
et les quatre éléments, eau, terre, air, feu. Donc c'est une espèce de composition quaternaire. On a longuement parlé ensemble pendant la balade sur la Roman du plan fondamental de matérialité que représente la quaternité pour les chrétiens. Les anciens avaient noté cette analogie et tandis qu'ils appelaient le monde cosmos, ils donnaient à l'homme le nom de microcosmos ou petit monde. En effet, si l'homme est considéré comme un microcosme parce qu'il reflète l'univers, c'est le signe qu'il a été créé à l'image de Dieu. La bile à Dudule, putain, Solarius. Mais vous êtes tellement relou. Alors, chez Hildegarde, dans un de ses innombrables bouquins, j'allais dire de magie. Non, Laurent. Les causes et les remèdes. Donc, qui vont mêler tout ça. Voilà ce qu'elle dit. Et Dieu fit les éléments du monde, et ceux-ci sont en l'homme, et l'homme en est constitué. Il s'agit du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Donc là, on est à fond sur la théorie empédoclienne des quatre éléments. Oh, homme, regarde l'homme. En effet, l'homme contient en lui le ciel et la terre et les autres choses créées. Et il est une forme unique et en lui tout cela est caché. La paternité divine est semblable à la circonférence de la roue, la paternité est la plénitude de la roue. La divinité existe par elle-même et d'elle procède toute chose et hors d'elle, il n'y a pas de créateur. Au contraire, Lucifer n'a pas gardé son intégrité, mais il s'est séparé en plusieurs morceaux quand il a voulu être ce qu'il ne devait pas être. Car lorsque Dieu a fait le monde, il avait primitivement l'intention de vouloir que l'homme existât. Et quand il a fait la lumière, qui était volatile et qui pouvait voler partout, il avait en même temps l'intention de donner à une vie spirituelle qui est souffle de vie, une masse corporelle, c'est-à-dire une forme tirée du limon de la terre. Souvenez-vous qu'Adama, littéralement, c'est l'homme debout, le glébeux, quoi. Une forme tirée du limon de la terre. Et Dieu fit les éléments du monde, et ceux-ci sont en l'homme, et l'homme en est constitué. Il s'agit du feu, de l'air. Là, on retrouve la façon, un des poèmes magnifiques d'Hildegarde de Bingen, avec ses anaphores, hein, ses rythmes répétés, etc., etc. Voilà. Et Ophanin se fout de ma gueule. C'est joli. Ah bah bravo. Je vous lis d'Hildegarde de Bingen, et vous vous foutez de moi. C'est très laid. Vous ne me méritez pas. Donc, au sein de ce cosmos spatio-temporel, chaque personne, chaque lieu, chaque chose doit être d'abord compris littéralement. La lecture se révèle alors aussi comme quelque chose d'autre. Le signe de ce qui est à venir est l'accomplissement de ce qui, par analogie, est tourné vers son avènement. Voilà. Combien de temps je suis dessus? 2,52. En général, on fait 3 heures. Et je ne suis pas sûr que ça vaille le... Oh, 10 minutes, si je peux faire ce tout petit chapitre, il n'y a pas de problème. C'est court, ça ne va pas faire beaucoup plus de 10 minutes, on y va. Même avec la note copieuse en bas de page. Déjà, à propos de ça, cette phrase, le signe de ce qui est à venir, l'accomplissement de ce qui est par analogie, tourné vers son avènement, il y a une note assez longue, donc on va se la fader. Le remplacement d'un palais. Et pourquoi ce remplacement? Par l'arche flottant sur le chaos engendré par le déluge du péché, transforme également le concept même de mémoria. L'arche représente un tissu d'événements annoncés dans l'Ancien Testament et réalisés dans une réalité temporelle par la venue du Christ et voguant vers l'Apocalypse. Donc ça, c'est une certitude pour tous les chrétiens du Moyen-Âge au minimum, c'est peut-être vrai encore aujourd'hui, j'en sais rien, je ne fréquente pas tant que ça de chrétiens, mais que chacun des moments, chacun des faits, chacun des détails constitutifs de l'Ancien Testament trouve sa raison d'être, son horizon, sa motivation uniquement dans l'avènement du christianisme. Donc on va beaucoup travailler ces jeux de correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testament en faisant valoir par toutes sortes de motifs analogiques. Donc je vous ai déjà dit que on peut faire, par exemple, comme ça, faire de la sortie du poisson de Jonas, une image préfiguration de la résurrection du Christ, etc. etc. On peut choisir à chaque fois des couples propositionnels, voire oppositionnels, constituant comme ça une espèce d'horizon du Nouveau Testament dans l'Ancien. Hugues cherche refuge dans cette nef du salut. Qu'écrit-il ? Et de même qu'au temps de Noé, l'arche seule flottait sur les eaux,
alors que le déluge recouvrait toute la terre, et non seulement elle était insubmersible, mais elle montait avec les eaux. Voyons bien que le désir de ce monde dans le cœur de l'homme est comme les eaux du déluge, alors que l'arche sur ses eaux, c'est la foi du Christ, qui foule aux pieds les plaisirs éphémères et aspire au bien éternel d'en haut. Si on en croit à l'exégèse rabbinique, c'est également dans le chaos désordonné, une espèce de retour finalement à un tohu-bohu, d'un avant le discours, d'un avant le langage et la trahison du langage, un état du monde qui va se constituer par la reconquête du mot. Donc l'arche, Teva, qui veut aussi dire le mot. Donc vous avez même la puissance aussi de cette métaphore-là. La convoitise de ce monde est au cœur des hommes, et elle est pour ainsi dire le déluge, dans cette image choisie par Huguin. L'incarnation de l'arche, de ce monde, pardon, l'incarnation de l'arche de l'Historia dans le cœur du lecteur, crée pour lui un lieu de refuge à l'intérieur de l'histoire du salut. Pour tout homme, aussi longtemps qu'il vit dans cette existence corrompue, où la chair combat l'esprit, c'est le déluge. Et tout homme se trouve dans ce déluge. Les bons sont comme ceux qu'un navire transporte sur les eaux, les méchants comme ceux qui font naufrage et se noient. Seul le navire de la foi traverse cette mer, seule l'arche est tirée du déluge, et si nous voulons être sauvés, il ne suffit pas de porter cette arche dans nos cœurs, nous devons aussi demeurer en elle. Nous sommes le dedans et le dehors de cette arche, d'une certaine façon. Il y a une espèce de série encore d'échos cosmiques, du microcosmique au macrocosmique, du dedans et du dehors. Une espèce de figure en réflexion. L'exégèse implique trois étapes. D'abord, la lecture littérale, d'accord, par laquelle le sens premier matériel de l'Écriture sainte est correctement inséré dans l'arche de l'âme. Ensuite, l'interprétation allégorique, d'accord. Vous vous souvenez ce que disait comme Augustin de Dacy par rapport au plan allégorique. C'est le plan par lequel vous allez toucher au mystère et au dogme de la foi. Et enfin, la reconnaissance personnelle par le lecteur qu'il a, lui, sa place au sein de cet ordre. C'est-à-dire le caractère moral, finalement. Un ordre dans la temporalité duquel il va trouver sa boussole morale. L'originalité de Hugues réside dans le vœu que le lecteur construise en esprit cette arche, puis y réside comme dans sa demeure mentale. L'idée de la représentation du cosmos entourant l'histoire sainte, qui en serait l'axe temporel, est assez courante dans la première moitié du XIIe siècle. L'auteur examine en détail comment ce même concept est représenté dans la structure et la décoration de la cathédrale de Sienne. Elle est assez incroyable, cette cathédrale. Assez con, j'ai pas de caméra verticale, j'aurais pu vous montrer pas mal d'images. C'est vraiment une petite merveille de romano-gothique, ombrien, avec une bichromie incroyable, un vert puissant et profond, alterné de bancs de blanc rosâtre, une espèce de monstre colossal et assez stupéfiant, qui est un projet irréalisable et irréalisé, et que jamais il a été atteint, puisqu'il est tombé vraiment à une période où Sienne a connu une belle chute, mais n'a pas pu finir sa cathédrale. Alors, l'architecture intérieure de sa cathédrale de Sienne, d'accord. L'architecture intérieure de la cathédrale, la représentation graphique du monde et le programme iconographique du portail de l'église sont tous conçus pour rendre tangible l'axe temporel de l'histoire sainte. Les cartes géographiques médiévales sont utilisées dans le même but. Bon, ça, il y a, par exemple, cette croisée du plan temporel et du plan spirituel, la présence du temporel à la période romane dans les églises, vous l'avez vu avec moi, elle est constante. C'est-à-dire le fait, par exemple, que vous retrouviez si systématiquement des calendriers et des zodiaques dans les églises, dit quelque chose de l'inscription de l'église dans ce double plan. Toute la construction est spiritualisante, certes, mais elle est renvoyée à un dialogue permanent entre ces deux cosmos, quoi, entre le microcosmique et le macrocosmique, entre le plan temporel et le plan spirituel, c'est-à-dire une vraie articulation pour le fidèle de cette expérience que va être pour lui la traversée
de ce lieu. On a beaucoup insisté en lisant bande roman à bien faire comprendre à quel point l'église n'était pas qu'un lieu, mais était beaucoup aussi un iter, c'est-à-dire un déplacement, c'est-à-dire vraiment une espèce de parcours, appelons ça initiatique si vous voulez, en tout cas constituant d'une sorte de pèlerinage intérieur pour chacun des croyants. Et donc cette articulation-là, elle est constante dans tout l'art roman. Et puis elle va au-delà de l'art roman, je veux dire, elle se configure d'une certaine manière de façon très lisible dans l'art roman, mais bien au-delà de ça, elle va se poursuivre dans l'art gothique. Alors, que dit Médiol, la trahison du langage vaincu par le renouveau des mots, la nouvelle langue à propos des extrêmes qui nous est servie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle langue? C'est compliqué. Parce que la doglope fonctionne vraiment par soustraction. Alors, il y a des trucs d'inversion. Hein. C'est vrai qu'il y a la guerre, c'est la paix, par exemple. Donc, ça, clairement, il y a des moments de nouvelle langue dans le contemporain. Mais moins que ça, parce qu'il y a énormément de néologismes. Et ça, c'est le contraire de la nouvelle langue. Par exemple, le fait de créer le mot wokisme, c'est typiquement non nouvelle langue. Il n'y a pas de nécessité dans la nouvelle langue pensée dans 1984 de produire des nouveaux mots, parce qu'il n'y a pas de nouveaux concepts pour la nouvelle langue. Il n'y a qu'une nécessité, au contraire, de la restreindre à son plus strict minimum. Donc, voilà. Bref. Donc, ça ne marche pas toujours. Il faut se méfier du point 1984 qui est souvent un peu abusif. Qu'est-ce que je disais? Alors, un tel démontre... C'est qui? Anna Dorothea van der Bricken démontre que l'ordre de l'objet des cartes était de représenter simultanément le cours de l'histoire universelle et la totalité de l'espace historique. Parce qu'il y a quelque chose qui est très remarquable aussi, cette espèce d'imbrication dans les cartes de Opicinus de Canisterie. Je ne sais pas si vous connaissez Opicinus. Je vais vous montrer un peu ça. Vous comprendrez là un plan d'incrustation. Alors du coup, extrêmement curieux parce qu'il implique aussi l'individualité d'Opicinus de Canisterie avec cette histoire générale de l'Église et notamment du Nouveau Testament. Voyons quelques images. Voilà des cartes d'Opicinus. Vous allez comprendre. Donc voilà, ça c'est une carte cheval. Mais on voit là des plus intéressantes que ces trucs-là. Voilà, là, on peut peut-être la voir. Attendez, on va en chercher des grandes, sinon ça va être con, on verra pas grand-chose. Voilà, très bien. Donc on est à un moment important, je crois que c'est le 13e. En tout cas, Opicinus est pris dans un mouvement qui lui échappe. Alors Opicinus est un vrai cartographe, et un immense cartographe, il connaît très très bien la cartographie de l'Europe. Ce n'est pas du tout des cartographies de l'Europe, de l'Asie, enfin des cartographies fantaisistes. C'est pour ça qu'il était le cartographe de la papauté. Donc c'est un homme qui... Alors... Hop là. Pourquoi il ne veut pas m'ouvrir ce con? Bah ouvre-moi l'image dans un nouvel onglet, Coco. Voilà. Oh, mais tu me fais chier. On peut pas en avoir d'autres? Non, il veut pas me montrer celle-là. Bon, bah tant pis, Je vais vous en trouver d'autres, c'est pas grave. Voilà, hop. Ah merde, c'est trop petit. Ah mais... Excusez-moi, mais pour que ce soit un peu bon, réussi comme démonstration, et il faut que vous voyez que régulièrement, le Opicinus se trouve lui-même représenté. Donc c'est vraiment important que vous voyez qu'il y a une implication de Opicinus, ou Opicino, si vous prenez son nom italien, à l'intérieur de ses cartographies. En gros, qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Il va, d'une certaine manière, dévisser, c'est-à-dire que il n'a pas fini sa formation et il n'a pas appris à dire les sacrements correctement. Il pense ne pas les... On a vu la bouille d'Alain Libera? Ah d'accord. Donc Opicinus, le voilà embarqué au moment où le bordel qui règne entre Rome et l'Empire va aboutir à la constitution d'une deuxième papauté en Avignon. Donc il va y avoir entre des papes et des antipapes pendant un bon moment en Europe.
et Opicinouste est embarqué avec le pape et toute sa clique pour rejoindre Avignon, et il n'a pas fini sa formation. Et il commence à psychoter. D'une certaine manière, il décompense, quoi. Il va pas bien du tout, et ses cartes deviennent de plus en plus cheloues, mais comme c'est un bon cartographe et que tout le monde l'aime bien, on laisse faire ses trucs dans son coin. C'est assez beau, c'est magique, il y a des dizaines de cartes qui sont réalisées par lui. Alors, il y a un très beau livre qui a été fait par Serge Piron sur Opicinus, et on voit que Opicinus, à l'intérieur des cartes, raconte l'histoire universelle, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour lui, l'histoire universelle, c'est évidemment l'histoire du Christ. Attends, je vous en montre une autre. C'est dégueulasse, vous ne voyez rien du tout. Là. Ah, c'est énervant, pourquoi il ne veut pas ouvrir ses figures dans une autre onglet, ce con. Il a décidé de me faire chier, en tout cas. Bon, vous avez quelques aperçus, c'est moche comme tout, j'en suis vraiment désolé, c'est un peu flou, mais qui vous font comprendre comment le littoral va devenir, dans les mains d'Opicinus, l'occasion d'un redessin figuratif tout à fait extraordinaire, qui articule ses... c'est un peu moche quand même, Bichette, on a dit flou, cracra, je suis tellement déçu, parce qu'en plus, si j'avais prévu, con que je suis, une caméra verticale, comme je le fais d'habitude, je pouvais vous montrer des images très belles, d'une très bonne définition. Donc c'est quand même un petit peu vexant. Donc il y intègre tout l'espace du connu dans, on pourrait dire, l'organisation matérielle du monde, le monde sublunaire, le monde des choses, au temps historique, supposé donc temps universel de la réalisation du Christ, et la petite vie de cet homme piégé dans un monde où sa propre biographie lentement va accompagner cette espèce de mouvement. Il va raconter son existence de sa naissance jusqu'au moment où il se trouve à Avignon à l'intérieur de ses cartes. Donc il va y représenter aussi des formes d'une généalogie tout à fait inédite, et ils sont vraiment extraordinaires. Il va représenter par exemple un tétramorphe, vous savez quand on représente les quatre évangélistes par leurs quatre symboles, hein, le lion de Saint-Marc, l'ange de Matthieu, le taureau de Saint-Luc et l'aigle de Saint-Jean, il les représente enfants. Personne n'a jamais fait une chose pareille. Donc il représente un petit œuf duquel sort un oiseau pour l'aigle de Saint-Jean, un tout petit veau pour le taureau de Saint-Luc, un petit lionceau de rien du tout, tout mignon, et un bébé. Et comme ça, ça lui permet d'intégrer des modalités tout à fait inouïes de temporalité implicite à des formes qui n'en sont pas pourvues. Le symbole n'a pas d'histoire, il apparaît dans l'état complet de sa réalisation. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, ça, c'est un exemple tout à fait fascinant de construction, de conjoncturation de l'espace et du temps propre à une pensée du Moyen-Âge. Donc de cet homme qui, angoissé à l'idée de ne pas pouvoir donner l'extrême-onction, et donc de condamner un chrétien à l'enfer parce qu'il ne connaît pas les derniers sacrements, commence à être dans un état d'angoisse terrible et qui se manifeste à travers ces cartes tout à fait fascinantes. Voilà. C'est rangé dans « Art et folie ». Sur ton téléphone. Oui, voilà, l'analyse psychologique d'Opicinus, ce n'est pas un scandale. Sylvain Piron ne fait pas mystère de cette analyse et c'est pas scandaleux. Enfin, est-ce qu'on peut voir une autre? Putain, mais c'est tout petit dégueu, ça, encore. Ah bah là, il est fait allusion. C'est Zone Sensible qui a publié ça, tout à fait. Voilà, Zone Sensible. Là, c'est le bouquin de Sylvain Piron et c'est les cartes qu'on peut trouver dedans. Je vous conseille vraiment la lecture de ça. Là, c'est ce que vous voyez en ouvrant le bouquin. Mais on peut imaginer son état d'angoisse, tu vois, Médiol. Il veut bien faire les choses. Et il est terrifié à l'idée de faire mal les choses et de condamner qui que ce soit à l'enfer, quoi. C'est une idée terrifiante pour un authentique chrétien. Alors, il convient donc au lecteur est-ce chose divine qui recherche l'ordre dans les disciplines, examine d'abord entre histoire, allégorie et tropologie
anthropologie morale, hein, quelle est celle qui précède les deux autres dans l'ordre de lecture ? Hugues se réfère ici à Grégoire le Grand, pour qui la lecture est un programme de construction en trois étapes. On établit d'abord les fondations, donc la lecture littérale, hein, par-dessus lesquelles on construit le bâtiment spirituel, si vous voulez, l'église de la foi, enfin l'allégorie qui va vous faire toucher les mystères de la foi, pour finir par un revêtement de peinture une fois la maison achevée. Je ne sais pas trop où veut en venir cette dernière image, puisque si c'est la morale, je ne vois pas. Bon, c'est bizarre, c'est juste cosmétique la morale. Dans ses premiers écrits, lâchez une analyse, non, il n'y a pas de... Dommage, là j'en aurais eu bien besoin. Dans ses premiers écrits, il se montre irrité envers ceux qui pressent les mamelles de l'écriture pour en tirer le sens allégorique avant d'avoir fermement inscrit dans leur mémoire tous les détails historiques. Comme il ne fait aucun doute, là c'est Hugues qui parle, comme il ne fait aucun doute que l'on ne peut saisir le sens mystique de l'écriture, si l'on en a d'abord bien établi le sens littéral, je ne puis m'empêcher d'être surpris par l'impudence de ceux qui prétendent enseigner le sens allégorique alors qu'ils ignorent encore le sens littéral. Dans le Didascalicon, il dit sa colère à propos de ces mythomanes. « Leur science ressemble à celle des ânes, ne les imite pas !» Il s'adresse directement au lecteur. Ce qui convient quand on étudie, c'est d'apprendre d'abord l'histoire, et de confier à ta mémoire la réalité des événements, en reprenant du début à la fin les événements qui se sont produits, quand, où, avec quels acteurs ils se sont produits. Vous comprenez ce que ça veut dire si on accepte l'idée des locis finalement ? Ça revient à reconstituer le monde raconté sous sa forme, dans son propre espace de déplacement, comme une espèce de de dessin au pantographe, quoi, homothétique intégralement dans votre esprit à la construction du monde décrit par le texte sacré. Vous produisez un locus, des locis, à l'intérieur de votre tête, qui vont configurer votre mémoire comme le texte, comme les déplacements dans le texte, comme les espaces décrits par le texte également, avec les placements des produits, des événements pardon, qui se sont produits, les acteurs, etc. Je ne pense pas que tu puisses devenir parfaitement perspicace sur l'allégorie si tu n'as pas d'abord acquis des bases historiques. Hugues est d'abord, c'est vraiment lui qui parle, il y a le texte le latin à chaque fois, si je ne vous le fais pas, parce que je pense que ça va vous emmerder. Mais... Hugues est d'abord la doctrine du triple sens de la Bible de manière telle que l'acte de lire devient un acte de piété, au centre duquel se tient l'incarnation de la sagesse. Si la sagesse de Dieu n'est pas connue d'abord corporellement, dit-il, vous ne pouvez être éclairé pour sa contemplation spirituelle. Donc il faut faire une espèce d'épreuve dans la chair. Vous devez d'abord être touché. C'est pourquoi vous ne devez jamais mépriser l'humble façon dont la parole de Dieu vous atteint. C'est précisément cette humilité qui vous éclairera. C'est marrant parce que ce que ça implique, je dirais, est infiniment plus difficile à atteindre que la simple étude. L'idée d'atteindre par l'étude, bon, on peut supposer un dispositif technique quasiment pour faire ça. C'est-à-dire, il y a une façon de bien faire les choses dans laquelle, bon an, mal an, on doit pouvoir se guider. Mais l'idée que ça doive commencer par un contact, enfin, il y a une espèce là d'incroyable attente, une demande qui est quand même assez folle. Hugues sait bien que corporalitaire, donc connaître corporellement, quoi, implique tirer du limon de la terre dans l'acte de la création. Donc pour reprendre hein, la comparaison avec la naissance d'Adam, le glébeux. C'est la raison pour laquelle dans la phrase suivante, le livre lui apparaît comme une humble tablette d'argile, comme le corps d'Adam, avant que Dieu ne lui insuffle l'esprit dans les narines. Dans les narines, ça peut vous sembler bizarre, mais en fait, très littéralement en hébreu, c'est ce que le texte dit, souffle dans sa narine. La parole de Dieu peut ne vous sembler que de la boue, et vous marchez dessus par hasard, et vous méprisez ce que vous dit la lettre de manière visible et corporelle. N'oubliez pas que cette boue sur laquelle vous marchez, donc on pourrait dire cette indistinction, et là on comprend mieux la parabole de la connaissance, c'est-à-dire un champ immense d'inconnus à parcourir, d'indistincts à discriminer, à séparer, à connaître, à comprendre, à aborder.
Donc cette boue sur laquelle vous marchez, c'est la même avec laquelle Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle. C'est vrai. Il prend de la boue, il lui met sur les yeux. Vous trouvez ça chez Saint Jean. Contentez-vous donc de lire l'Écriture et d'apprendre ce qu'elle dit corporellement, donc corporalitaire. C'est beaucoup demandé quand même. Hein. Les bouchées un peu dures ne peuvent être digérées que si elles ont été bien mâchées. Voilà. Il dit littéralement, cette nourriture est solide, hein, solidus et sibusiste. Si on ne la mâche pas, on ne peut pas l'avaler. Nisi macicetur, transglutiri non potest. Transglutiri non potest. Eh oui, l'histoire, dit-il, est la narration des choses accomplies que nous trouvons dans le sens littéral. L'allégorie se présente lorsque, à travers l'action accomplie, quelque chose d'autre est signifié, dans le passé, le présent ou le futur. Et la tropologie, lorsque, à travers l'action accomplie, quelque chose est signifié qui doit être fait, donc un enseignement moral. Aux noces de Cana, l'eau vive du sens littéral sera alors transformée en un vin capitaux. Sachant que bon, la diffusion de la parole du Christ, évidemment, c'est aussi le fait de répandre son sang sur terre pour laver tous les hommes dans son sang. C'est son sang, c'est le sang de la rédemption. Bon, ça fait 3h15 que je vous bassine avec un théologien du 12e. J'espère que ça vous a un peu intéressé, que ces lives un peu spécialisés vous plaisent malgré tout. Je peux comprendre que ces sujets... un peu chelou, sur Twitch, j'imagine que c'est pas vraiment l'endroit où on a préparé sa soirée pour ça, mais j'espère que malgré tout, la surprise de vous entendre causer Duc de Saint-Victor, ça vous intéresse un petit peu. Il y a toujours la traduction, Ragdou. Hein. Jamais je vous inflige des textes latins ou grecs sans vous les traduire, je ne fais pas ça. Hein. Donc, quand même. Alors, il y a qui en ligne? Il y a Bricata Pinelli, Schlag TV. Eh bien, ça peut être pas mal, ça. Spécial Flores Magón. Ah, bah, très bien. Un peu d'anarchisme mexicain, si je me souviens bien. Hein, Flores Magón. Bah, écoutez, ça va être super, ça. Ça vous a plu? Bah, écoutez, moi, je vais vous envoyer, si vous connaissez pas Flores Magón, ni Brigata Pinelli, eh bien, c'est le moment d'aller découvrir tout ça, non? Je vous dis bonne nuit. Je vous souhaite de bien... finir votre soirée, je suis content si ça vous a plu. C'est très bien. Ok, surtout sur Twitch, Ndiriyu. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir. Et ceux et celles qui sont pas, qui suivent pas encore la chaîne, suivez-la. C'est mon seul titre de gloire, c'est de voir grandir la famille des auditeurs et auditrices de cette chaîne chelou. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée, bon raid chez Brigata. Ça t'a plu, mais tu ne l'admettras jamais. Jamais. Bon, bah, tant mieux si ça t'a plu et tant mieux si tu ne l'admets pas. Reste que sur cette position digne. Et à bientôt. Je sais pas quand.